Bonjour à tous et bienvenue sur Demos Kratos. C'est pas vrai. Déjà la question, est-ce que vous allez bien? Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait de live. Donc si vous êtes abonné à Demos Kratos depuis très longtemps, vous savez qu'on a une histoire assez difficile avec les lives. Ça bug souvent. Mais on s'est amélioré au fil du temps et cette fois-ci je pense que ça fonctionnera. Et surtout on a des invités de qualité, donc il faut que ça fonctionne. Et je vais laisser ces invités justement se présenter à tour de rôle. Oh le fédéant. Ah, je croyais que tu nous présentais. Non, je vous connais pas moi. Vous êtes arrivés par hasard. Ils ont toqué à ma porte. Et... Alors non, mais je pense que vous vous définirez mieux que moi. Ça s'en vient. Voilà. Et qui commence? Tu commences, Juliette? Eh bien, moi, je suis Juliette Hénard et je travaille avec Vincent pour la chaîne Partager, c'est sympa, qui fait des vidéos qui donnent l'envie et les moyens d'agir pour essayer de sortir de ce monde de merde. Yay! Ok, c'est beau. Alors, du coup, moi, c'est Jamil de la chaîne Jamil, chose à te dire, parce que je suis... Refais-le. Jamil, chose à te dire. C'est très compliqué, même moi. voilà. Mais pour le coup, comme ça, je ne suis pas enfermé dans un sujet. Et on traite de plein de sujets hyper bandants, comme la fin du monde, mais aussi l'après, par exemple. Donc, c'est hyper bandant, en fait. Voilà. Moi, je fais des vidéos sur Internet. Merci. Des vidéos de partager, c'est sympa, avec Juliette Hénard ici présent. Et on fait aussi des petites vidéos qui mettent en collaboration plein de youtubeurs pour porter un message tous ensemble. Et il y a des gens qui demandent où qu'il est, Usul. Alors ouais, il est là, il est où, Usul? Ah bah alors. Eh bah, Usul, si tu nous regardes, on t'attend. On le salue. C'est ça, on le salue depuis chez lui. Bon, c'était pas du putaclic, hein. Il devait venir. Oui, il devait. Finalement, il a eu un contretemps. Voilà. Il a beaucoup de travail. Il est avec nous. Il fait ouvrir les guillemets. Voilà, il travaille pour Mediapart. Hein. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Et alors, je pose une question juste au technicien. Est-ce que tout va bien? Parce que je vois des ding 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 qui arrivent sur le. Bah, le live est bien lancé sur YouTube. Ouais. Pas de soucis. Et sur Facebook aussi. Et ça m'affiche le message. Mais quand tu es dans la tour, qu'est-ce qui se passe? Alors que pourtant, le live a l'air de fonctionner. Bah, demande aux gens sur. Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous nous écoutez bien? Est-ce que ça marche bien? Et est-ce que vous nous voyez sur Facebook aussi? L'après-fin du monde, ça marche pas. On vous expliquera ça pour l'après-fin du monde. Parce que oui, un monde, quand il y a une fin, il y a un autre début. Pourquoi il y a Usul sur la miniature? Putaclic. Il y avait Usul dans la miniature parce qu'il était censé venir. Il avait dit oui, il avait dit qu'il avait envie de venir, de parler de ça. C'est pas juste pour vous attirer. Il a vraiment annulé au dernier moment. Et Julien n'est pas un gros usurpateur. Julien, voilà. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Et alors, le sujet aujourd'hui, c'est quel monde pour demain? Quel monde demain? Comment on va réfléchir à ce qui va nous arriver? Et surtout, comment on peut agir sur ce qui va nous arriver? Parce que je pense que ceux qui regardent cette chaîne le savent un peu déjà, c'est pas les 30 Glorieuses ou des jolies choses qui nous attendent. Et on va en parler ce soir donc avec vous via le chat. Donc n'hésitez pas à commenter, parce que je lis les commentaires. Si j'ai le petit smartphone, c'est pour lire vos commentaires. Vous pouvez là, même écrire aussi, des conneries, parce qu'on les voit là. On voit tout ce que vous dites. Aussi. On voit tout ce que vous dites. Et voilà. Rip Usul quand même. Fallait oser quand même. Il va rip bien. Usul. Et du coup, alors le live est très bien lancé sur YouTube, il n'y a aucun souci. Donc, ouais. La régie nous parle. Par contre, sur Facebook, ça bug, il est ouf la merde. Bah tant pis, ça restera ça sur YouTube. Ça bug sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, bah venez sur YouTube alors, voilà. Ouais. Bisous. Mais si ça bug, ils n'auront jamais le message. Ouais, on pense à eux. Est-ce que vous pouvez écrire RIP Facebook. RIP Facebook. C'est ça. Regarde, c'est trop normal. Ma personne est sacrée. Un jour, nous arriverons à faire marcher les lives. Bref, nous allons commencer avec une question toute simple. Ici, tous sauf Jamil, mais on va t'inclure dans l'idée. Faisons partie du collectif. Ah, oui. Il est encore temps. Toi, c'est le collectif. Moi, c'est il est trop tard.fr. C'est ça. Mais la question que j'aimerais poser ce soir, c'est est-ce qu'il est vraiment encore temps? Et surtout, il est encore temps de faire quoi? Parce que quand on regarde la situation écologique, quand on regarde le rapport du GIEC, celui de la NASA, enfin de tous les experts internationaux, tous parlent d'un effondrement probable, possible, même qui va arriver. En cours même. Voilà, oui, j'aimerais du coup qu'on commence par définir un peu l'effondrement qui est en train de se passer et qui va nous tomber sur la gueule, pour ensuite, à partir de cette analyse de ce qui va nous arriver, on réfléchisse à comment agir au mieux, ce qu'on peut faire et ce qu'on va devoir faire dans les années qui viennent. Elle est super ta question, parce qu'elle est tellement précise qu'on peut vraiment y répondre, mais tout de suite... C'est quoi l'effondrement, Vincent? C'est quoi l'effondrement, Vincent? L'effondrement, c'est lorsque différents piliers de notre société, sur lesquels du coup repose l'équilibre de l'ensemble de la société,
eh bien, sont fragilisés de telle sorte que si l'un des piliers se casse la gueule, il emporte les autres avec lui. Donc, un des piliers qu'on connaît bien, c'est celui de l'économie, et qui est en l'occurrence extrêmement fragilisé par la finance. Et il y a des fortes chances pour que lorsque la finance se casse la gueule, elle emporte avec elle aussi tout un pan de l'économie réelle, et que du coup ce pilier de l'économie emporte avec lui celui de l'État, l'État-providence, l'État qui rend service, l'État qui soutient les citoyens, et que l'État s'effondrant, eh bien, c'est la structure sociale, la confiance dans la justice aussi, qui se casse la gueule, donc un pan très important de la société qui se casse la gueule, et que ce soit aussi définitif. C'est pas un petit pouf-pouf et hop, on rebondit et on remonte. C'est vraiment l'effondrement, c'est que ces piliers-là s'effondrent pour de bon, et il faut, dans les cendres, créer quelque chose de nouveau. Et c'est pas dans les cendres, vu que c'est un bâtiment, ça devrait être dans les débris. Dans les gravats. Mais vous avez compris. Et peut-être que je peux rajouter que dans effondrement, on parle là d'économie, de société, etc. Mais il faut parler aussi de la biodiversité, de la nature, qui est liée intrinsèquement, forcément. Et on assiste déjà, comme tu l'as dit, Juliette, à un effondrement déjà en cours. On a perdu des tas de... On peut rappeler des chiffres. Quoi, c'est 80% des insectes, 400 millions d'oiseaux en Europe en 40 ans, enfin, ce genre de choses. Et ben, c'est le début du truc, quand le plancton disparaît, les poissons ensuite, et à la fin, c'est nous. Donc ça, c'est aussi une donnée importante. Tout simplement, sixième extinction de masse, je veux dire. Oui, et c'est qui les auteurs ? C'est nous. Voilà, Anthropocène, Anthropo, l'homme, on a créé la sixième extinction de masse, et ça fait partie intégrante de l'effondrement, quoi. On parle d'effondrement pour l'économie, mais aussi pour la nature. Bah là, j'ai une définition intéressante de l'effondrement qui est donnée par Yves Cochet et l'Institut Momentum. Qu'on salue, qu'on embrasse. L'effondrement, c'est un processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Et j'ajoute qu'il y a une notion de temps, c'est que ça, ce serait plus assuré pendant au moins un an. La définition de l'effondrement, c'est une définition qui est donnée dans le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens aussi, Comment tout peut s'effondrer, qui est un peu une base pour concevoir l'effondrement. Et du coup, on réalise bien que cet effondrement, il existe déjà dans plein de pays, dans plein de zones du monde, puisque des services encadrés par la loi n'assurent pas forcément partout tous ces services dont nous, on jouit en Occident en ce moment. Est-ce qu'on peut y aller de nos petits pronostics, peut-être? Oui, les pronostics, et surtout dire que cet effondrement, c'est pas quelque chose qui est théorique et qui va arriver dans un siècle, genre on imagine le futur, c'est déjà en train d'arriver, et nous, on va l'avoir directement dans pas longtemps. Et donc c'est ça, je m'imagine les pronostics, c'est dans combien de temps ça va arriver, c'est ça? En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sous certaines de nos vidéos dans lesquelles on parle de l'environnement et de l'urgence climatique, disent « Ouais, c'est bien pour nos enfants et tout. » Et moi, je suis là, c'est pas pour tes enfants, hein, c'est pour ta gueule, mon grand, qu'il faut se bouger, là. Et moi, le truc que je regarde d'assez près, et j'aimerais bien en faire une vidéo dans l'avenir, lorsque le temps se ralentira et me permettra de faire ce que j'ai envie de faire, ce serait une vidéo sur l'effondrement économique, qui, je pense, va vraiment être le déclenchement. La crise ! Parce que du coup, voilà, il y a des indicateurs. Je poste de temps en temps sur mon mur Facebook des articles qui montrent les différents indicateurs d'une crise potentielle, et on parle en l'occurrence d'une crise à l'équivalent de celle de 1929, c'est-à-dire vraiment un crash qui emporte l'ensemble de l'économie mondiale avec elle. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, 50 à 60% de ce qui consiste le capitaux des banques est de la spéculation. La spéculation, c'est-à-dire c'est un pari sur l'avenir, c'est pas quelque chose de réel, c'est simplement on parie sur, tiens, je parie que dans 10 ans, il y aura X nombre de barils de pétrole, et donc à partir de là, je peux les revendre sans qu'ils existent vraiment. Donc là, on a 50% de l'économie qui est de la finance qui est comme ça, et ça veut dire que c'est un risque systémique. Si ça se casse la gueule, bah, ça emporte tout le reste de la finance avec lui, et on a plein comme ça d'indicateurs. Pourquoi ça emporte le reste avec lui ? Et ben parce que en fait, les banques aujourd'hui sont malheureusement trop grosses pour se permettre des pertes. Elles ont trop peu de capitaux pour pouvoir rebondir, et les États qui les ont sauvés en 2008 ne sont plus aujourd'hui en capacité d'utiliser les mêmes ressorts. Par exemple, on a fait exploser la dette européenne et la dette de plein d'autres pays pour pouvoir renflouer les banques qui se sont cassées la gueule. Mais si on le fait aujourd'hui, l'euro est mort, quoi. L'euro ne voudra plus rien. Tu veux dire que les États, ils ont donné de l'argent imaginaire aux banques pour pouvoir se renflouer, et que du coup, ça a fait augmenter la dette. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'argent en plus pour renflouer leurs paris.
vu que c'était pas pour renflouer. Donc on a donné de l'argent imaginaire pour des paris imaginaires. De l'argent imaginaire, mais qui est concret après, parce que notre dette, elle a augmenté, et tous les jours, les médias disent ouais, « la dette de la France, elle est énorme !» Oui, elle est énorme. Mais ça devient un propos politique, parce encore une fois. Parce qu'on a sauvé les banques. Oui, mais c'est tout ça, que le mot imaginaire, il est vraiment très bien choisi, parce qu'effectivement, dans une banque, si tu as la bulle financière, donc le complet, seulement 2% de dette, faut vérifier, faut pas nous croire sur parole, les gens, 2%, c'est l'économie réelle, du vrai capital, du vrai argent, et par vrai, on entend que... Ouais, 2%, c'est vraiment ridicule. Les 98%, c'est du vent, c'est de l'argent, de la finance, des choses que sur un clavier, on tape entrée, et voilà, ça crée de l'argent. Un crédit à la banque, parce que là, on parle de choses très, très théoriques, très grandes, qui sont loin de notre réalité. Un crédit à la banque, c'est très simple, je le dis parce que j'ai des gens qui travaillent en banque, que je connais bien, c'est un clavier, on tape des zéros, on fait se rentrer, ça paraît très ridicule et drôle de dire comme ça, mais c'est totalement ça. Mais alors, un accord avec des gens derrière, mais ça reste ça. Ça n'existe pas. Alors là, juste pour savoir, la dette non plus. J'allais dire la date. Est-ce que vas-y, justement, la date. Voilà, c'est ça. La date. C'est lundi après-midi. Prenez. Il y a vraiment un ensemble de journalistes, et c'est pas un truc de gauche qui le dit, c'est The Economist, qui a été repris par Bloomberg, qui est vraiment le média officiel aussi très reconnu dans le monde bancaire, qui dit que c'est fin 2020 qu'il y aurait une récession, un crash boursier. Et ce qui est très rigolo, c'est que potentiellement, c'est la première fois que vous en entendez réellement parler, alors que ça peut avoir des conséquences très très concrètes sur votre épargne, sur la valeur de l'euro que vous utilisez quotidiennement pour faire vos achats. Et si on ne vous en parle pas, c'est ça qui est le mieux, c'est parce qu'on vous dit que les économistes n'aiment pas faire des prédictions. Donc, bien que l'essentiel de la richesse est actuellement créé dans la finance et que c'est des paris, et bien lorsqu'il s'agit de prédictions sur l'avenir économique de nos pays, et bien là, on ne veut pas en parler. Et aussi par peur que ça crée le problème. Parce que comme 50% c'est du vent, si on dit que c'est du vent, et que tout le monde s'en rend compte, et ben du coup, ça crée le crash. Ouais, on avait parlé d'une métaphore avec Vincent pour essayer de comprendre cette espèce de montage financier et la crise qui risque. C'est imaginez que vous jouez au Jenga, je sais pas si vous connaissez, c'est l'espèce de tour en briques en bois. Et donc au début, vous faites votre tour, et puis après, vous enlevez des briques pour faire un truc plus haut. Donc ça déjà, c'est l'économie qui fonctionne comme ça. On enlève des machins et on les met plus haut pour essayer de faire des profits. Puis il y a un moment carrément où on peut plus fragiliser davantage la tour, et du coup, on se met à jouer au Air Jenga. C'est-à-dire que vous posez des briques en bois qui n'existent pas et vous dites si regarde, vous voyez pas, mais c'est une brique, je vous assure c'est une brique et je la mets là. Et tant que tous les joueurs y croient, ça marche, mais il suffit qu'il y en ait un seul qui dise mais les gars vous êtes complètement fumés, il n'y a pas du tout de brique là en fait, pour que tout s'effondre et que finalement on se rend compte ah mais oui on met, en fait merde il n'y a plus rien. Et imaginez donc si on a 2% de Jenga en bois et 98% de Air Jenga, c'est tout d'un coup on se retrouve avec la réalité et c'est pas grand chose. Et un truc tout bête, c'est que si les gens veulent récupérer leur Jenga, si les gens veulent venir dans les banques récupérer leur argent, si t'as pas de mouvement de panique, que c'est normal, il y en a 2-3 qui viennent de temps en temps, ça passe. Mais si t'as un mouvement de panique et que t'as tout le monde qui vient retirer son argent en même temps, la banque elle a pas l'argent de tout le monde. Et du coup, elle est obligée de restreindre l'argent qu'elle donne. Enfin, c'est ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne pendant les crises, tout le monde voulait retirer l'argent, ils étaient limités à un certain nombre d'euros par jour. Enfin, les banques sont très faibles aujourd'hui. Et donc, ce que vous disiez, c'est que voilà, l'effondrement, ce n'est pas dans 50 ans, c'est plus 5, 10, 15 ans. Est-ce qu'il est encore temps d'éduquer ? Parce qu'on dit toujours, oui, mais il faut aller faire la politique des petits pas. Il faut éduquer le peuple, et le peuple, petit à petit, il comprendra ce qui se passe, il élira des meilleurs dirigeants, ça sauvera la planète. Sauf que 5 à 10 ans, à 15 ans pour l'effondrement, on n'a plus le temps d'éduquer, de faire des petits pas. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt agir directement ? Et s'il faut plutôt agir directement, comment agir directement ? Est-ce qu'on peut faire une transition propre entre la crise boursière, la banque, le Jenga et... Vas-y, transition était ça. Moi, en même temps, il y a des commentaires. Coucou, La Rochelle, j'ai entendu, j'ai vu. Voilà. Mais où est Ulule ? Ulule n'est pas. Ouais. Toi, Vincent, tu étais en train de donner en fait un exemple. Ouais. J'étais en train de donner un exemple. Une étincelle qui pourrait provoquer l'effondrement, c'est ça que tu voulais dire ? C'est ça. Et dont finalement on s'interdit de parler, c'est ça qui est important à retenir. On s'interdit d'en parler de peur que ça le provoque. Et lorsqu'on a envie d'en parler, on vous dit non mais vous êtes dingue, vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez. Et c'est des choses qu'on dit par exemple à Pablo Servigne, je le sais, qui a écrit le bouquin. Mais du coup, la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Est-ce qu'il est encore temps d'agir, de prévenir, etc. Effectivement, la récession, les économistes sont d'accord pour dire que c'est fin 2020 au plus tard. Donc c'est dans peu de temps. Donc qu'est-ce qu'il est encore temps de faire ? On parle toujours de la crise, là.
Alors maintenant, c'est la transition propre. Là, alors voilà. C'est ça, là, c'est là on fait une transition propre. Effectivement, donc il y a différents piliers. On a parlé de biodiversité. Tout à fait. Avec le rapport du WWF qui dit que 60% des animaux sont morts. Voilà. Ils sont pas déjà disparus. Maintenant là. Voilà. Ils restent déjà disparus. Mais... Ouais, ouais, ils sont pas cachés. Mais ils vont pas ressortir. Ils vont pas disparus, on les a tués. Hein, il faut peut-être préciser. On les a tués. Ouais, voilà. Ouais. Mais par contre, donc voilà, il y a le domaine économique, il y a aussi le domaine de la démocratie, de notre État, oui, dans lequel nous n'avons largement plus confiance, dans lequel très peu de gens sont prêts à voter. Il y a Antoine qui te parle. Et du coup, moi aussi, moi c'est bien. C'est moi qui parle pas bien dans le micro. Il faut parler dans le micro. Non, non. Voilà. Tout le monde entend bien. Donc là, maintenant, c'est qu'est-ce qu'il est encore temps de faire, sachant le très très peu de temps qu'on a. Qu'est-ce qu'il est encore temps de faire sur ces différents piliers, sur ces différentes approches? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, les amis, brainstorm. Voilà. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on continue à éduquer et faire la politique? Voilà. Ces questions-là sont très importantes. Ma foi, je crois que agir, on peut pas. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait soit on agit, soit on continue à éduquer, mais on n'a pas le temps. Justement. Eh ben. Agir, c'est éduquer, continuer coûte que coûte. Enfin, c'est la réponse. Souvent, on pose cette question. Est-ce que, bah ouais, regarde, là, tu t'agites, t'essayes de faire des vidéos, des trucs, des actions. Est-ce qu'on a encore le temps de faire des choses alors qu'on sait que c'est la merde et que c'est foutu? Autant appuyer sur l'accélérateur et puis tout cramer, vu qu'on n'a plus le temps et puis que c'est foutu. C'est une bonne réponse, à ma foi. Les gens font ce qu'ils veulent, après tout. Mais il s'agit de choisir son camp aussi. Dans tous les cas, moi, je préfère faire partie de la team de gens qui essaient. Et oui, l'éducation populaire et la conscientisation est nécessaire parce que dans l'idée, je vais être court, hein, dans l'idée, le vrai changement, c'est quand on est conscient et qu'on a accepté, quand on a conscientisé, conceptualisé, on est d'accord, on veut le faire, tu vois. Le temps est long pour faire ça et on n'a pas ce temps. Ah, d'accord, hein. Mais le forcer, on y viendra, le forcer, forcer ce changement, ben, il n'est pas durable parce qu'on aura forcé les gens. Donc on est un peu le cul entre deux chaises et ben, la réponse, on ne l'a pas. Quoi. Donc on va papoter là-dessus. Mais moi, pour moi, je crois qu'on n'a pas la réponse. Il faut tout faire en même temps, il faut faire le feu de tout bois. Ouais, oui. Moi, je suis complètement d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête pour savoir est-ce qu'il est encore temps ou pas, est-ce qu'il vaut mieux agir ou éduquer. On s'en fout. Fais le premier truc qui te passe sous la main, le truc qui te dit le plus, le truc qui est le plus facile. Et puis, on, voilà, diversité des tactiques, et puis on verra à la fin. Quoi. Mais ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que quoi qu'on fasse, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas dire je reste chez moi, je ne fais rien parce que de toute manière, ça va se passer sans moi, ça va arriver l'effondrement, je ne peux rien faire. Non, il faut, ce que tu disais, faire tout ce qu'on peut, soit éduquer, soit agir, soit les deux en même temps. Un peu de bienveillance quand même, parce que souvent, enfin, juste vraiment, oui. Non, les gens, il ne faut pas. Enfin, oui, bien sûr qu'il faut, bien sûr. Mais en te disant, il ne faut pas rester chez toi, il faut que tu bouges, non. Oui. Il y a quelque chose de dramatique. Enfin, j'entends autour de moi très souvent, c'est de se dire, on a des chiffres toute la journée, des faits, des trucs, putain, mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'on déprime. C'est très dur d'entendre ça. Qu'on n'a pas d'avenir ou qu'on ne va pas vivre les 30 glorieuses ou un truc facile comme nos précédents. Donc, c'est dur de faire face, alors que tu restes chez toi à bouffer des chips, ma foi. Je ne peux pas te dire que. Je ne sais même pas ce qui marche, je regarde, mais je ne peux pas te dire que c'est mal ou quoi que ce soit. Dans l'idéal, il faut faire les choses. Mais il ne faut pas culpabiliser. Enfin, je ne sais pas ce que tu as fait, oui. Mais j'ai envie de le dire, c'est tout. Effectivement. Voilà. Moi, mon but dans la vie, c'est être heureux. Et j'ai découvert que être heureux, un des moyens pour atteindre le bonheur, c'était d'avoir une vie qui est alignée avec le sens que je ressens en moi. Et un des sens dans lequel j'ai envie d'aller, c'est celui de construire un avenir juste et durable pour tous. Et effectivement, cet avenir, il est compromis de plein de côtés. J'ai moi-même pas le pouvoir d'arrêter la 6e extinction de masse. Et j'ai très peu de pouvoir aussi pour bloquer l'industrie fossile qui est bien partie pour défoncer toute chance d'un avenir sur cette planète. Mais du coup, moi, ce que je me dis, c'est que tout ce qu'on peut faire maintenant qui fait de nous des espèces d'adultes politiques, qui fait de nous des personnes qui se sentent légitimes d'agir pour défendre des choses là où le gouvernement ou les multinationales nous disent que non, on ne devrait pas, c'est des choses dont on aura besoin toujours, quoi qu'il advienne. Que la société s'effondre ou pas, les personnes qui aujourd'hui agissent, les personnes qui apprennent à faire ensemble, ce seront aussi les premières personnes à être en capacité d'apporter du soutien dans une situation d'effondrement et de reconstruire quelque chose, si c'est possible, post-effondrement. Donc tout ce qu'on a à faire, vraiment aujourd'hui, c'est s'autoriser à agir, rencontrer d'autres avec qui faire, là où on est. Et c'est ça qui est super intéressant avec Il est encore temps, c'est qu'il y a des gens partout en France, là, dans toutes les villes et les villages qui agissent ensemble. Et
mentalement s'autoriser à se dire, ok, j'ai en face de moi l'État, on m'a appris que j'étais un citoyen, et cet État est en train de me faire défaut. Cet État est en train d'agir d'une manière qui m'interdit un futur. À l'époque, ce que pouvaient me dire mes parents, c'est ah, je suis pas sûr qu'on aura une retraite. Moi, je leur dis, c'est une immense blague. Je suis pas sûr que je vais vivre, en fait, jusqu'à ton âge. Donc, c'est ça qu'on est en train de vivre. Et donc, il faut être à la hauteur de ça, quelque part. Il faut s'autoriser à agir qui soit à la hauteur de cette urgence, qui soit à la hauteur aussi de ce constat. Et donc, moi, le truc que je mets beaucoup en avant, c'est la désobéissance civile. C'est se permettre de bloquer l'industrie fossile là où elle détruit la planète, se permettre de peinturlurer la métropole de Lyon pour signifier le fait qu'elle ne tient pas des engagements qui nous permettent de vivre dans notre ville à plus de degrés d'augmentation de la température. Et voilà. Voilà, parce que justement, c'est ça, dans les commentaires, on a Sean Saurus qui nous dit « Mais concrètement, on fait quoi ?» Concrètement, si la politique des petits pas, petit à petit, parler aux gens, élire des mecs au pouvoir, des mecs plus souvent que des femmes, triste réalité. Voilà, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Tu as commencé à parler désobéissance civile, action directe. Est-ce qu'on peut aller là-dessus rapidement, dire comment on peut agir concrètement, à son échelle, mais aussi collectivement, pour ne pas éviter l'effondrement, parce qu'en fait, l'effondrement est inévitable, mais pour ne pas tomber du 8e étage, mais tomber de moins haut. Parce que c'est ça le but d'agir aujourd'hui, c'est de tomber de moins haut, et surtout qu'une fois qu'on est tombé, on arrive à se relever plus rapidement. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Si, je lève mon doigt pour... Je te laisse... et moi, monsieur, je te laisse répondre sur ça. Selon moi, c'est ce langage que moi, il n'y a pas de réponse, encore une fois, une réponse, comment faire, c'est ça qu'il faut faire. Oui. N'empêche que on a des données qui nous montrent ce qui impacte le plus. Alors, on parle encore du climat, je ramène ça dedans parce que c'est vrai qu'on parle d'économie, etc. Et c'est tout est lié, encore une fois. Si le climat s'emballe, nous on s'emballe avec parce qu'on est complètement lié à lui, et du coup l'économie et tout ça. On sait que ce qui impacte le plus, c'est dans le climat. Vous savez, les connes. Oui, mais elles sont émises par quoi le plus ? L'agriculture. Voilà. L'agriculture. Donc l'agriculture est essentiellement la production de viande bovine et porcine, bon, rouge quoi. Donc si c'est pour répondre à la question, une réponse et c'était la mienne, c'est-à-dire que l'action la plus forte que je pouvais faire pour agir contre ce dérèglement climatique qui de fait va se produire parce qu'on subit les effets du réchauffement d'il y a 40 ans. Enfin, il y a une inertie, tout ça, bien sûr. On connaît la chanson. Mais c'était de réduire mon impact carbone de manière la plus importante, donc devenir végétarien. C'est pas parce que tu ne l'es pas, encore une fois, mon cher ami internaute, que tu es pas dans les bons clous, mais factuellement, j'en suis arrivé à ce constat-là il y a quelques années. Et du coup, je me suis dit, voilà. Je vais pas manger, et puis en fait disons que je suis vivant et plutôt pas mal, je veux dire que ça va très bien, donc voilà. j'ai pas perdu de kilos, je suis pas en carence, tout va très bien. Je pense que je sais pas si vous partagez ce constat là pour ce qui est d'une action la plus concrète, la plus forte. C'est pour la mienne, c'était celle-ci. Après, il faut peut-être pas rester sur le côté individuel, j'agis pour moi, mais chercher derrière le côté aussi revendiqué. Si tu réduis ta consommation de produits carnés, tu le fais pour toi, pour réduire ton empreinte carbone à toi aussi, mais tu revendiques, tu sais bien, pour éduquer politique. En même temps, agir de la désobéissance civile. Enfin, il y a un ensemble d'actions. Il faut plus penser juste soi-même, et si on se change tous, un jour ça changera quelque chose. Je partage pas ça du tout. Changer soi-même et essayer de changer les autres, essayer de leur proposer des alternatives, vous n'osez pas les changer, essayez de leur proposer des manières de changer, peut-être. Oui. Je pense que ça, tu seras peut-être plus d'accord sur ça. Voilà. Ouais, moi, j'ai envie de répondre à ta question et de donner ma réponse à la question d'avant. C'est que, en fait, une vie sur laquelle j'ai pas d'impact et une société sur laquelle j'ai pas d'impact, où on s'en fout de mon avis, où on s'en fout de ce que je fais, où je pèse rien. La société actuelle. Moi, en fait, une vie comme ça, j'ai pas envie de la vivre. Donc j'ai peut-être pas beaucoup de pouvoir, mais un pouvoir que j'ai, c'est l'histoire que je me raconte pour ma vie actuelle. Ça, j'ai le pouvoir de le choisir. J'ai le pouvoir de choisir quel sens je lui donne. Et du coup, moi, j'ai décidé de croire que j'avais un impact, même minime. Et à partir de là, moi, je vous invite à vous raconter l'histoire que vous avez envie et d'imaginer le pouvoir que vous avez envie d'avoir. Et une fois que vous avez mis ça en place, en fait, tout est possible. Si toi, tu trouves que ce qui fait le plus sens, ce qui te donne le plus de pouvoir, c'est d'arrêter de manger de la viande, raconte-toi cette histoire et fais-le. Et
j'ai envie de dire, c'est pas vraiment concret, mais en même temps, ça peut mener à un truc très concret, c'est putain, les gens, croyez à votre pouvoir, parce qu'une vie sans pouvoir, ça a pas... Enfin, moi, je trouve que ça vaut pas la peine d'être vécu, et choisissez le truc qui vous parle le plus. On se fout de quoi. Ce qu'il faut, à mon avis, le truc qui a le plus d'impact encore avant l'agriculture, c'est les gens inactifs. Parce que là, nous, on est une minorité à ouvrir notre gueule et à se faire entendre. Mais la majorité est passive et se laisse faire et va et fait métro boulot dodo et subit sa vie. Mais si cette majorité se bouge, ça change tout en fait. Et c'est vrai qu'il y a une histoire de récit, parce qu'il y a une histoire de « ouais, mais ma place, c'est celle-là ». Et s'inventer une autre place, s'autoriser à se dire « tiens, je suis légitime en fait de revendiquer telle ou telle chose et contribue très, très activement à notre capacité à agir derrière et à notre capacité aussi à faire émerger. C'est ce que toutes les ONG attendent, c'est l'espèce de sursaut citoyen où d'un coup, des centaines de milliers, de millions de personnes partout dans le monde réaliseront « merde alors, il y a urgence !» Et puis, paf, sortiront dans la rue et feront un truc. Et en fait, effectivement, le plus sûr chemin pour ça, c'est un récit. Et c'est ce que développe beaucoup Cyril Dion, c'est construire un récit dans lequel on se retrouve et qui nous autorise, qui nous permette d'agir. Moi, effectivement, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais. C'est clair qu'au niveau individuel, l'impact de devenir végétarien est énorme, et même vegan. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire, tiens, notre société, moi j'ai fait relations internationales, donc mon regard il est beaucoup sur les relations de pouvoir, sur l'organisation du pouvoir dans une société. Et certes, il y a du pouvoir dans l'agriculture, il est présent et on le voit par plein de politiques européennes, etc. Mais j'aime bien chercher quels sont les points de levier, les endroits sur lesquels on peut appuyer qui va faire basculer des géants. Et soit les foutre par terre, soit les forcer à prendre la direction qu'on a envie de faire. Moi, mon gros dada ces temps-ci, c'est réaliser, mais en fait, c'est ouf, il y a vraiment des géants comme la Société Générale, comme Total, comme des assureurs très connus comme Allianz ou AXA, qui, lorsqu'on fait à 12 personnes une petite campagne de shaming avec quelques photos dans lesquelles on leur fout la honte pour leurs investissements, pour leurs pratiques, pour telle ou telle chose, à quel point ils y sont sensibles, en fait. Et à quel point, en finalement assez peu de choses, on peut réussir à les bloquer rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'impact réel de ces actions-là, elle peut se mesurer en milliards désinvestis, par exemple, mais elle se mesure aussi en nombre de personnes qui se sont senties légitimes de dire au fleuron français Total qu'il chie dans la colle, tu vois. Et ça aussi, c'est un des récits qu'on a envie de mettre en avant, quoi. Alors, puisque tu parles de récits, j'aimerais justement te lancer la balle sur un truc, c'est que on a un récit qui est de dire « Ouais, mais le problème, c'est pas nous, c'est les 1% les plus riches au monde. C'est eux qui polluent, c'est les 1% les plus riches au monde qui ont accaparé 87% des richesses, c'est les 1% au monde qui ont le plus pollué, etc. » Et on se met ce récit dans nos têtes en lui disant « C'est pas nous, c'est les 1% qui devraient changer. » Et en fait, Jamil m'a fait remarquer il y a pas longtemps dans une de ses vidéos que les 1%, c'est pas ce qu'on croit être, c'est nous. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises un peu quel est le prix du ticket d'entrée pour être dans ces 1% les plus riches. Et qu'on se rende compte, en fait, voilà, de cette réalité. Bien sûr. Avant de répondre à cette question-là, déjà, je voulais juste rebondir à ce qui a été dit après ma réponse tout à l'heure. Ma réponse que je vais donner, c'est dans un cadre complètement personnel. Et effectivement, il faut agir, je crois, sur nos deux pieds, c'est-à-dire de nos choix personnels pour le climat, par exemple, et d'un choix collectif pour une conscientisation globale et une action collective contre les institutions ou pour les sauver. Enfin, par exemple, je ne suis pas anti-État, par exemple. Quand tu dis, j'imagine que toi non plus, mais qu'aujourd'hui, l'État... Parce que gangréné par la finance et des personnes mal intentionnées nous entraînent vers quelque chose de négatif, à la base, l'État, c'est nous et nous appartient. Et il est censé, et c'est ce que je veux faire, moi, dans... ben ouais, à la base, mais bon, c'est plus le cas. Et l'objectif, selon moi, ça serait de le rendre fort de nous et de pouvoir, du coup, rendre nos ennemis plus faibles. Bon, c'était... Mais si ça ne nous est pas permis, ça ? Eh ben, on renverse la table. Mais, voilà, et comment on renverse la table ? Ben, il n'y a pas de manière... Y a toutes ces manières qu'on les a un peu égratignées là, effectivement. Et d'ailleurs, quand tu dis que 12 personnes peuvent atteindre une société...
bancaire, sur son image. Oui, c'est on lit vos messages. C'est super intéressant parce que c'est vrai, le McDo ou n'importe quelle entreprise, souvent le budget le plus important, c'est la com, c'est l'image. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, même pour nous, nous petits créateurs, je sais pas quoi, on sait que le gros truc, malheureusement ou pas, il y a, je pense, beaucoup de malheureusement, c'est l'image, c'est ce que ça renvoie. Et souvent, on a beau être deux derrière une caméra, on a un impact de dingue. Et une entreprise, c'est la même chose. Donc effectivement, attaquer, montrer que c'est pas bon et attaquer sur l'image, c'est quelque chose d'hyper efficace. Bon, pour répondre à la question sur les 1%, alors oui, je vais vous poser du coup à vous la question. À votre avis, dans le monde. Ah oui, dites-le en commentaire. Hein. Ou en commentaire aussi dans les, chez les internautes. Combien faut-il gagner par mois pour faire partie du début des 1%, entrer dans cette caste des 1%? Combien? Alors dites par commentaire, voilà. On va lire les commentaires. Alors, je trouve que la question est chelouement posée. Oui, mais après, je donnerai... un rapport à la capacité, le pouvoir d'achat. Bien sûr, mais il y a plein de manières de faire. Voilà, mais là, c'était une des techniques. On a 2000, 2500, 30 000, 1000 euros par mois, 5000, 1000, 5000, 50 000 euros par mois. Et attention, dans le monde. 2000, 100 000, 500 000, 2000, 3000. Eh bien, c'est plutôt ça. Putain, exactement. Vous êtes fort en nombre, hein. Exactement. Oh là là. Pour être précis, c'est 2380 euros par mois pour faire partie. Alors, ça veut tout dire et rien dire, comme tu l'as souligné il y a deux secondes. Pour faire partie, je le répète, hein, du début des 1% les plus riches du monde, il faut gagner un minimum de 2380 euros. Alors, tu me diras, putain, mais merde, quoi. Du coup, je suis hyper riche. Alors, je ne les gagne pas, moi, personnellement, par exemple. Mais je fais partie des 4% les plus riches du monde, avec mon salaire. Mm-hmm. Tu vois. Et dans le monde, il y a l'Inde, il y a l'Afrique, il y a la Chine, il y a tout ça. Et effectivement. Mais qu'est-ce que tu parlais du pouvoir d'achat? Mais qu'est-ce qui définit aujourd'hui dans un capitalisme exacerbé? Eh ben, on est défini que par ça. Hein. Mm-hmm. Parlons de pouvoir d'achat. Le pouvoir de pouvoir acheter une maison ou une voiture ou une sucette. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui définit de ton pouvoir d'acheter la ville ou le monde ou rien du tout. Et Bernard Arnault, qui souvent, on a cette... c'est lui le 1%. Eh ben non, lui, il fait partie du 0,001%. Et quand on dit, je suis là-dessus, que 87%, 82, je ne sais plus, des richesses créées en 2017 ont été captées par 1% des gens les plus riches, ce mode de calcul nous montre qu'en fait, oui, c'est des gens qu'on connaît ou même nous-mêmes qui, de par le système que nous contrôlons même plus, faisons que nous captons cette richesse parce que dans le monde travaillent en moyenne une dizaine de personnes pour notre bonheur matériel avec l'agriculture, etc. C'est très complexe et moi ça m'a aidé à relativiser notre rapport à tout ça. Et tu vois là où... Oui, pardon, oui, pour finir sur les chiffres, parce que je vois plein de réactions des gens qui disent « Ah putain, ça fait pas beaucoup bah ». Ouais. Moi j'avais regardé que tous les Français, bon, j'imagine hors... oui, pardon. Sans domicile fixe, enfin bref. Même les smicards, ils font partie des 8% les plus riches du monde. Ouais. Tous les Français. Le monde est... Mais justement, tu vois, sur ces chiffres-là, moi, la question que j'aimerais vous poser, enfin que j'aimerais amener sur le débat, c'est... On dit qu'il faut faire des efforts. On dit que voilà, il va falloir changer nos habitudes de vie parce que la manière dont on vit aujourd'hui n'est pas viable écologiquement. L'effondrement est dû parce que, en grande partie parce qu'on vit au-dessus des moyens de la planète. Et en fait, on dit souvent, oui, mais moi, je vis modestement, c'est les riches qui doivent changer. Et en fait, ce truc de se rendre compte que nous, on est les 1% ou les 4% les plus riches du monde, eh ben, on se rend compte que c'est quand l'Inde, la Chine, les autres pays du monde entier vont vouloir nous rattraper, que ça va être un désastre écologique. Mais que non, du coup, il est déjà là, le désastre écologique. Oui, mais que du coup, ça veut dire que nous, notre travail, c'est pas de rester à notre niveau et d'attendre que les autres restent au leur, c'est nous de descendre de niveau. Et c'est pour ça qu'on parle souvent décroissance, ouais. Zéro déchet, véganisme, pas parce que c'est des modes de hipster, etc., mais parce qu'on se rend compte qu'on est les 1% qui ont capté 87% de la richesse et qu'il faut qu'on arrête de capter toute cette richesse, donc qu'on arrête de polluer, qu'on soit zéro déchet, qu'on arrête de manger autant de viande parce que c'est pas viable écologiquement, véganisme, qu'on arrête d'acheter et de consommer autant, la décroissance. Ouais, là tu parles de plein de... Je suis d'accord avec toi, mais tu parles de plein de mesures individuelles. Hein. Notre impact carbone et notre impact sur la planète, il réduira quand on changera à l'échelle nationale, en fait. Parce que oui, la décroissance peut être nationale, c'est pas que toi-même. Oui, bien sûr, mais c'est juste que les exemples que tu as donnés, là, c'était surtout... Moi, je me souviens que j'ai calculé mon empreinte carbone il y a 2-3 mois. Je l'avais pas fait avant parce que ça me faisait flipper de ouf. Et j'avais, et j'avais raison parce que même avec tous les efforts que je fais, je suis à deux planètes.
Ah oui, voilà. Ouais. On va en trouver une. Elle est à côté, attends, un peu sur la gauche, mais parce qu'elle n'est pas éclairée par le soleil tout le temps. Mais t'inquiète pas, on va en trouver une. Et un truc qui m'avait niqué mon bilan carbone, c'était les déplacements. Et du coup, en fait, ce que je peux faire vis-à-vis de mes déplacements, c'est arrêter de me déplacer, clairement, ou juste tout faire à vélo. Sauf que, comme avec Partager Sympa, on se déplace pas mal pour les vidéos, bah, je prenais le train, je prends même pas l'avion. Hein. Je prenais le train, sauf que bah, le train, c'est quand même de l'énergie nucléaire et ouais, que ça a des coûts cachés, etc. Et donc, mais ça, j'ai pas de prise. Tout ce que je peux faire, c'est genre arrêter de me déplacer. Donc là, on est à une échelle qui dépend pas de moi. Mais bref, je voulais lancer la balle à Vincent sur autre chose qui est t'as un truc intéressant à dire sur quand on est privilégié, qu'est-ce qu'on fait du privilège ? Ah, c'est vrai que c'est une grande question que je me pose parce que j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, le temps et la liberté d'action pour développer un savoir-faire de vidéo. Puis tu es un homme blanc, occidental, blanc, cis, grand, hétérosexuel, tout ce il qu'on cumule veut. Tout ce qu'il faut cumuler d'ailleurs dans ce monde. Et une jolie casquette. Et la question est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et effectivement, moi j'ai dédié l'ensemble de ma vie à essayer de améliorer le bordel dans lequel on est et de permettre aux gens de se rencontrer, de tirer de l'énergie de cette rencontre de manière à ce qu'on se sente légitime d'agir après ça à tous les niveaux. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le niveau collectif et le niveau politique. Mais effectivement, la question se pose de comment on utilise nos privilèges de manière à impulser le plus grand changement possible. Parce qu'on connaît énormément de gens. Je pense que vraiment, il faut arrêter les échanges où on dit « Ouais, mais en vrai, c'est la Chine le problème, c'est l'Inde le problème. » c'est juste faux et c'est facile et en fait si vous voulez des coupables ils sont juste à côté de chez vous quoi. BNP Paribas est présent partout dans le monde et un des plus grands encore investisseurs dans le charbon, on va sortir une enquête là-dedans. Société Générale est aussi présent partout. Bref, il y a des gros trucs français vraiment à côté de chez nous qui ont un impact énorme sur le monde et qu'on va à peine chatouiller, en fait, qu'on ne se permet même pas de critiquer. Ici, combien de personnes qui nous regardent ont effectivement un compte à BNP Paribas et pourraient le fermer du jour au lendemain. Mais pour le faire, il faut avoir conscience de ça et se sentir légitime de, après ça, avoir son banquier qui dit « Mais pourquoi vous voulez fermer votre compte, enfin ?» Et de dire « Bah, parce que vous faites de la merde, enfin !» Et voilà. Connaître les alternatives à cette banque aussi. Et connaître les alternatives à cette banque. Et en même temps, là, on parle de compte bancaire, c'est encore une fois une chance d'en avoir un. Pour mettre dessus, hein, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Bah oui. Mais sur le privilège, je dirais que tu choisis pas de naître dans un milieu ou une famille privilégiée. Moi, j'ai pas choisi de naître blanche. Je suis née femme, donc ça me préserve un tout petit peu. Je suis la minorité visible aujourd'hui, je suis content. Mais voilà, mais bon, bref, je choisis pas. Par contre, ce qu'on fait de ce privilège, on le choisit. C'est-à-dire que là, désolé les gars, je vais vous rentrer dans l'art, mais dans les commentaires, je vois vachement de gens qui disent oui, il faut sauver les siens, il faut aller s'enterrer dans la campagne, etc. Alors, vous avez peut-être pas choisi d'être privilégié occidental. Par contre, ce que vous faites du privilège, c'est vous qui le choisissez. Donc, si vous allez vous faire votre petit écolieu tranquillou, à l'abri de tout le monde, autosuffisant et tout, ça, c'est un choix. Hein. Et abandonner, du coup, tout le reste de l'humanité à son sort, c'est un choix aussi. Waouh. Bah, au final, c'est, tu sais, quand tes parents, ils te disent « Ouais, mais toi, t'es un petit bourgeois » ou que les autres, dans les commentaires, te disent « Oh, c'est bobo gauchiste, etc. » Oui, on est bourgeois, mais on se sert de nos alors, privilèges attends, pour faire quelque je peux chose. Je peux dire juste oui, un toi, truc. Tu n'es pas bourgeois. Je ne suis pas bourgeois ni issu. Non, mais enfin, je suis content parce que, regardez, vous êtes tous bien blancs, tous, et puis plutôt études supérieures, finalement, classe peut-être bourgeoise, c'est pas un mauvais mot. Oui. Moi, pas du tout. J'ai une classe ouvrière, j'ai pas mon bac. Et pourtant, j'ai des vidéos sur YouTube. Bah ouais, et puis je suis pas plus con qu'un autre. Non, enfin, parce que finalement, j'ai étudié par moi-même. Enfin, ça explique par le parcours, le moment mélodramatique. Non, mais de manière, c'est une autre vision des choses. Et c'est vrai que c'est rarement dit. Moi, je l'assume. Non, parce que c'est mon histoire et partagée par plein de gens. Exprimez-vous dans les commentaires aussi. Ma famille a migré de la Turquie il y a une trentaine d'années, donc ouvrier. Donc, on a tous un rôle à jouer. Et il n'y a pas que, et c'est vrai, il n'y a pas que les blancs, les garçons, les filles d'une certaine classe. Hier, avec Julien, on était chez les scouts à La Rochelle. Effectivement, j'en faisais la même remarque. Et ce n'est pas une critique. On doit, et je crois qu'il y a aussi ça, c'est un combat à mener, qu'on doit tous se sentir légitime de faire partie de ce qu'on doit sauver ou reconstruire demain. Voilà, je voulais juste préciser ça et de dire non, c'est pas vrai, on n'est pas tous bourgeois, même si que, voilà.
Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs des... Merci d'avoir dit ça. Ouais, merci. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur quelle banque choisir. Actuellement, les banques les plus adaptées pour un compte courant, ce qui à mon avis concerne la majorité des gens, c'est le crédit coopératif ou aussi, alternative, la banque postale n'est pas complètement dégueu, bien que vous pourriez leur dire d'être encore meilleure. Elle est neutre en fait, elle est pas dans les trucs dégueulasses, mais elle n'investit pas dans les trucs cool. Ah, sur ça, ok, ouais. Je comprends, tout à fait. Et j'aimerais te faire rebondir sur quelque chose où tu disais, oui, moi je veux surtout réfléchir au niveau collectif, international, qu'est-ce qu'on peut changer politiquement pour ensuite faire changer les choses. Attends, juste, et la nef. La nef est en train de construire la base pour pouvoir avoir des comptes courants pour tout le monde, et c'est super, et on les remercie, et on les salue s'ils nous regardent. Mais nef, c'est pour les épargnes, ou les prêts, pour les projets, c'est ça? Mais ils sont en train, ouais. Ouais, mais du coup, voilà. Si vous voulez mettre votre épargne là-bas, ou emprunter de l'argent pour faire un projet, la nef, c'est très bien. Ouais, exactement. Mais du coup, ouais. Quand on parle politique, quand on parle... avenir politique, on réfléchit oui à attaquer des banques, des assurances, etc. parce que ça fait changer les choses, mais on réfléchit aussi pour qui on va voter, pour quel système politique on veut avoir plus tard. Et là, il y a une phrase d'Emmanuel Macron récemment qui m'a fait tilter, c'est il dit « On est en train de revivre les heures les plus sombres de notre histoire ». Il observe que « Oh là là, ça se répète !» et donc il a l'impression qu'on ne se dirige pas vers une meilleure démocratie, mais vers une dictature. Et c'est bizarre, mais c'est ce qu'on dit un peu tous depuis très longtemps. Macron, il a sérieusement dit ça. Et ouais, Macron a avoué. Il s'est dit, je suis en train de devenir un dictateur, dis donc. Lui, c'est le sauveur. Lui, c'est le sauveur, mais il se rend compte que Le Pen monte et qu'il y a eu l'élection au Brésil avec l'extrême droite, etc. Et il dit, merde, dans pas longtemps, ce sera plus moi au pouvoir, ce sera un dictateur. Mais parce que lui, c'est la démocratie. Il l'a félicité, Bolsonaro, il est sérieux. Ouais, mais non, enfin, il dit quand même que on arrive à une période de l'histoire où la condition économique, la condition politique, etc., semble se répéter, et donc on se dirige pas vers la démocratie, mais plus vers l'autoritarisme et la dictature. Et donc là où je veux poser ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on a encore une chance de développer une véritable démocratie ? On aura toujours une chance, vous allez dire oui, mais les petites machins, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver dans les années qui viennent, surtout avec l'effondrement, ou est-ce qu'il faut plutôt se préparer à une dictature ? Est-ce qu'il faut réfléchir à agir dans une démocratie en se disant « Dans une démocratie, tout le monde pourrait parler, on pourrait changer le monde », alors que tout le monde sait qu'en fait la démocratie est au plus bas, qu'elle est dans le mal, etc., que c'est plutôt vers la dictature qu'on va ? Est-ce qu'on ne réfléchirait pas plutôt à se dire « Dans une dictature, comment on agit ?» Et même aujourd'hui, où on se dirige de plus en plus vers un régime autoritaire, comment on agit ? Comment on attaque des banques, comment on essaye d'éviter que l'État passe de plus en plus de lois autoritaires, etc. quoi. Du coup, il y a deux questions. Parce qu'à la fois, comment agir, mais le constat de la grosse question, est-ce qu'on se dirige vers un État totalitaire ou est-ce qu'il y a une chance pour la démocratie ? Moi, ce que j'observe... Répondez dans les commentaires. Alors, allez-y. Dictature ou démocratie ? Un pour dictature, deux pour démocratie. Il n'y a pas... Okay. Non, parce que je sais pas. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, je ne sais pas. Il y a des signes, mais je ne sais pas. N'empêche que, si on regarde derrière nous dans l'histoire, il y a une certaine cyclotimie qui fait que le côté cyclique des choses, et j'ai l'impression qu'on est au bout d'un cycle et qu'il y a quelque chose qui se répète. Effectivement, Macron n'a pas tort, mais il est mignon de dire « Alors oui, j'ai l'impression que j'ai fait de la merde. » Oui, mais tu es c'est un peu Bayer et Monsanto, tu vois, il te donne les poumons, le truc pourri, puis après le médicament, même s'il n'est pas d'ailleurs le médicament. Donc c'était très hypocrite, mais tout le monde le fait. Et que, alors le côté cyclique, je partage ça, moi je le vois, et je me dis, effectivement, il y a quelque chose de cyclique, je crois, vous allez peut-être me contredire, et on n'a pas le choix d'aller vers ça. Le tout, c'est l'éloigner le plus possible et essayer de l'enrayer. Mais comment ? Vous avez certainement des réponses. C'est chaud comme question. Là, tu partages ça ou pas ? Enfin, comment tu vois ça ? Le côté... cycle, est-ce que ça se répète ? Est-ce que t'as l'impression que ça se répète ou pas du tout dans le roman, leur René ? Je suis une pine en histoire, donc est-ce que ça se répète ou pas ? Je me sens pas capable de dire. Par contre, ce qui me semble important, plutôt que d'essayer de coller une étiquette, est-ce qu'aujourd'hui on est en démocratie ou est-ce qu'on est dans un état totalitaire et qu'est-ce que ce sera demain ? J'ai envie de regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des trucs qui me font flipper, comme par exemple, je sais pas si vous êtes au courant des répressions et... de la surveillance dont font l'objet les militants de Bure. Oui. Je ne sais pas ce qui est de l'intox, ce qui est la vérité. Est-ce que tu peux dire ce qu'est Bure ?
Oui, pardon, Bure, c'est une ZAD pour lutter contre l'enfouissement de déchets nucléaires dans cette zone-là. Dans le nord-est. Et c'est, enfin, juste, c'est flippant. C'est des gens qui sont surveillés, qui sont photographiés, qui sont mis sur écoute, qui sont perquisitionnés sans l'aval d'un juge. C'est qui sont jugés sans avoir été informés qu'ils allaient être appelés en procès. Enfin, genre. On marche sur la tête au niveau des droits des gens, et ça, c'est en France, et c'est maintenant, et ça se passe, et les médias en font pas tout un pataquès. Et ça, c'est flippant. Ça arrive, et du coup, j'ai plutôt tendance à penser qu'on va aller vers plus de ça. Il y a pas très longtemps, je crois, François Hollande a admis que les attentats terroristes de 2015 avaient servi à passer des lois liberticides pour surveiller... Ouais. Oui, pour surveiller les militants écologistes en vue de la COP21. Dis-nous. Donc, enfin, c'est et puis il y a aussi, alors je sais pas si c'est un tox ou pas, si c'est juste une rumeur et tout, mais que les services secrets ils commencent à s'intéresser, les services de renseignement s'intéressaient beaucoup aux véganes, aux militants véganes, parce qu'ils commencent à être dérangeants. Enfin, genre tout l'espèce de truc qu'on a vécu depuis des années autour de la sécurité, les terroristes, les djihadistes, tout ça, tout l'appareil judiciaire et policier qui a été mis en place à ce moment-là, il est en train de se déplacer sur tout ce qui dérange, tout ce qui fait chier, tout ce qui fait entendre une voix différente, et c'est beaucoup autour du climat, etc. Du coup, oui, ça a du sens de commencer à se préparer à lutter contre un État sécuritaire totalitaire et à organiser une vraie résistance. Mais j'ai lu l'article Wikipédia de la résistance et ça fait flipper. Moi, je ne sais pas si je suis prête. Mais carrément, je pense que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a de moins en moins de confiance en l'État pour être capable de relever les défis auxquels on fait face. Or, les structures de sécurité de l'État ont pour mission fondamentale de permettre à l'État de se maintenir. Donc, toutes les personnes qui portent un discours disant que l'État n'est pas à la hauteur de l'enjeu sont forcément sous le radar des forces de sécurité de l'État, vu qu'elles sont forcément dans un contre-discours, dans une opposition à l'État, donc qu'elles sont potentiellement une menace pour sa stabilité au long terme. Donc, moi, je suis convaincu qu'effectivement... on salue les RG qui nous écoutent actuellement. mais j'aurais envie de me permettre un petit pronostic. Je pense que vraiment, on va entrer dans une période là, et vous pourrez en repérer les signes, où on va petit à petit nous préparer à une rigidité de l'État, à une poussée sécuritaire, à se refermer sur nous-mêmes. Là, c'est intéressant de voir la manière dont est traitée la situation au Brésil, dans lequel on nous dit il est arrivé, hein. Ouf, Trump non plus, on s'y attendait pas. Oh là là. Donc, on nous joue la surprise alors que c'est fondamentalement des lents courants qu'on a entretenus par la peur, par exemple, etc. Et lorsque, là, actuellement, je pense que de plus en plus, on va nous préparer à la crise de manière à ce qu'on l'accepte comme un état de fait, alors qu'on ne devrait absolument pas l'accepter, que ce n'est pas nous qui l'avons créé, comme en 2008, ce n'est pas nous qui avons créé la crise économique. Donc on ne devrait pas l'accepter, et tenir responsables et les mettre en prison, les personnes en col blanc qui ont créé cette situation-là. Mais donc voilà, moi je suis convaincu que ce qui va se passer, c'est que au niveau écologique, à partir de l'effondrement de la finance, on va nous dire « bah écoutez, l'écologie ça va deux secondes, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, donc qui n'ont pas de quoi s'acheter à manger, donc l'écologie vous reviendrait plus tard ». Donc d'abord ça... on va se faire défoncer la gueule à ce niveau-là. Et derrière, on va nous dire des personnes qui sont actuellement au pouvoir, qui seront au pouvoir, vont essayer de réparer le problème. Mais comme c'est fondamentalement un problème de ressources, c'est un problème de croissance qui n'est plus possible, il n'y aura pas de solution. Donc là viendront des gens qui diront « Moi, j'ai la solution. Il faut refermer tout le pays sur lui-même. Il faut dire fuck à tout le monde. Et il faut dégager tous les étrangers. » Et comme personne d'autre personne n'aura le courage politique et surtout ne sera élu en disant « En vrai, il n'y a pas de solution », parce qu'on hérite de choix politiques des 40 dernières années. Du coup, on va élire, porter au pouvoir des trucs autoritaires
qui eux-mêmes vont échouer, mais qui auront en tout cas pour ultime ressort de dire si on échoue encore, c'est qu'on n'est pas assez vénère. Donc on va encore plus rigidifier. Et c'est sûr qu'en première ligne actuellement, des forces en capacité de, en tout cas ayant envie de résister, il y a les militants véganes, il y a les militants écologistes, etc. Et clairement, on sera aussi en première ligne pour se faire taper sur la figure. Voilà. C'est mon petit pronostic. On verra si ça se vérifie. Ah bah donc, rendez-vous en 2021. Peace. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut noter qu'effectivement, à mesure que la résistance montre les crocs, eh ben, à mesure que nos chers législateurs, eux aussi. Et il y a une escalade. Et c'est peut-être ça qui sera le moment où ça tombera et qu'on fera autre chose. C'est dégueulasse quand même, hein, c'est triste. Mais ou pas. Mais alors justement, là, ce qu'on dit, c'est que de plus en plus, ça devient autoritaire. Et moi, j'aime bien regarder les sondages un peu pourris qu'il y a dans les médias actuellement. Il y a un sondage qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, 40% des Français 41. Sont pour un, 41% des Français sont pour un pouvoir autoritaire qui fasse des réformes en profondeur. Alors là, les camarades de l'UPR, ils vont vous dire « Mais c'est déjà ça, c'est l'Union européenne !» Oui, en partie, on verra ça plus tard. Mais la question, c'est « Est-ce que les Français veulent un pouvoir autoritaire ?» Ça, on n'en sait rien parce que les sondages ne sont pas fiables. Mais la vraie question, c'est la dictature verte. Et j'ai parlé. Est-ce qu'on peut moi, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup le comment les médias traitent certaines informations. Nous, on a fait des manifs à Lyon et partout en France qui ont rassemblé plus de 130 000 personnes dans la rue pour porter un message politique, vraiment de dire les responsables, c'est nos élites politiques et elles n'agissent pas suffisamment pour le climat. Que fait M6 après ce reportage? Un petit sondage de genre 130 personnes sur internet en disant est-ce que vous êtes prêt à changer vos habitudes? Le résultat c'est 60% non. Du coup c'est genre t'as tout un reportage journalistique qui te dit ah les gens sont prêts, les gens sont chauds, les gens sont motivés, et derrière ouais mais ferme ta gueule parce que t'as vu le sondage, il dit que 60% ils veulent pas changer individuellement. Donc là on est sur de l'utilisation des médias pour faire passer une idée, pour écraser une idée en fait. Et ce sondage, à mon avis, il est en plein là-dedans. Est-ce qu'on peut justement dire sondage, déconstruire ça? Ils ont trouvé 1000 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, sur Internet. 41% des 1000 personnes sur Internet, ça se trouve, c'est la même personne qui a écrit. J'exagère, mais. Et ça puis, veut rien et dire. Et là, tu prépares les gens. Et voilà. Tu prépares les gens. Ils se disent ah, si un jour on élit un pouvoir autoritaire, bah je suis d'accord. Vu que j'ai vu un sondage à un moment. Sur les sondages, il n'y a pas genre un énorme institut de sondage qui a été racheté par un putain de milliardaire, par Bolloré, il n'y a pas très longtemps En 2013, je crois. Ça fait pas. C'est déjà quelques années. Paris, tout à fait. Pourrait nous dire lequel c'est. On n'a pas les moyens de chercher. Oui, et bien le voit, on le lit. Et ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que petit à petit, quand je parle avec les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, mais ce qu'il nous faut, c'est une dictature verte. Il faut arrêter avec notre démocratie actuelle, c'est-à-dire papoter et rien faire. Il faut qu'il y ait un pouvoir beaucoup plus autoritaire, fermé, qui fasse des réformes en profondeur écologiques. » Et en fait, ça, la question, la dictature verte, je vais pas y répondre, mais je pourrais répondre, mais je vous laisse à mon sens, ce que ça veut dire, le truc c'est que quand tu dis dictature verte, forcément on va pas être pour, il y a le mot dictature dedans, ça fait chier. Et faut puis définir déjà. Vert, ça suffit pas à dire que c'est cool, mais surtout est-ce que ce sera vert en fait? Une dictature verte peut-elle moi, être écologique? À mon sens, ce que ça veut dire, c'est que les gens, ils ont vraiment envie que les mesures nécessaires soient prises et que dictature, c'est tu te dis OK, c'est l'extrême du pouvoir, donc ce serait fantasmagoriquement un pouvoir qui arrive à contraindre tous les autres, tu vois. On se dit bah si c'est une dictature, les autres politiques vont s'aligner, les mesures vont être prises, les entreprises vont s'aligner. Donc en fait c'est ça que dont les gens fantasment. Donc j'ai limite pas envie de parler de dictature verte parce que c'est évident que personne a envie d'une dictature. On a juste envie d'un pouvoir suffisamment puissant pour contraindre des gens qui échappent à la volonté commune aujourd'hui. Mais là, je voulais en dire, juste, je ressens peut-être comme ça, tu répondras mieux ce que je voulais dire. Okay. Non, mais j'ai très bien répondu. Non, mais peut-être que je vais juste ressentir ma question un tout petit peu. C'est dire, c'est pas forcément une. La question, c'était pas est-ce qu'il vaut vraiment une dictature verte, etc. C'était plutôt dire, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, il faut un pouvoir plus fort pour que ça marche, ce que tu disais. Mais est-ce que ce pouvoir plus fort, si c'est quelques personnes qui ont le pouvoir, il peut être écologique? Est-ce que ce pouvoir plus fort ne doit pas être démocratique pour pouvoir être écologique?
J'ai un exemple à donner, alors du coup, pour répondre aussi un peu comme vous. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il y avait le Tour Alternativa. Vous voyez, hein, ouais. On a participé un peu tout le monde. Ils sont passés chez moi à Genève. Et il y avait Bernard Friot et d'autres sur cette question, quelle économie voulons-nous demain ? Donc c'est un peu le thème, là, quel monde on veut demain ? Et l'économie fait le monde aussi. On a pu poser des questions et à la fin, on a fait le même constat. C'était un peu la même discussion que là. Alors bien sûr, Bernard Friot, forcément. Et j'adore, je suis fan. Et du coup, je lui pose la question, est-ce qu'on risque pas de tomber dans un fascisme vert. Alors du coup, c'est plus le même mot, tu vois, c'est plus dictature, les mots ont un sens incroyable. Eh ben, la réponse fut oui, en fait, finalement. On est tombé ça, c'est pas ce qui va arriver, mais c'est possible. Si nous n'avons pas le temps d'éduquer les gens pour qu'ils soient d'eux-mêmes verts, quand j'entends vert, c'est écolo, etc. Divisé par 3, par 4, par 6, notre niveau de vie, moins manger de trucs, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Il va falloir à un moment donné l'imposer, quoi. Et ça, c'est le pire, parce que c'est justement pas ce qu'il faut faire. C'est parce que par l'imposer, ça tient pas. Alors que tous les régimes fascistes finissent par faire naître. Quand le pouvoir s'acquiert. On va acquérir le pouvoir par la force, par les armes, par tout ce que tu veux, il n'est pas légitime. Et il légitimise la violence et les armes et tout ça. Donc, du coup, de se faire renverser de nouveau. Donc, c'est pas une solution, mais. Ce que je crois, c'est ce que nous risquons quand même. Demain, dans 20 ans, quand il n'y aura plus d'eau, quand le lac d'Annecy n'y aura plus. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Et puis beaucoup de gens en ont parlé, et il n'y a pas que le lac d'Annecy partout, il n'y aura plus d'eau. Bon, on va rationner, on n'aura pas le choix. Donc effectivement, ça part ça, moi, quand j'entends dictature verte ou fascisme vert, je m'illustre ce genre de choses. Des réformes injustes, parce que d'un côté, on imagine bien que les riches pourront toujours avoir de l'eau potable au robinet peinard, et que moi, pas riche, ben, j'aurai peut-être moins. Et c'est par ça que j'entends. Et je crois profondément, et apparemment c'était partagé par ces gens de cette salle ce soir-là, que nous allons vers ça, parce qu'on est les industriels et les gens que tu vises, et que je vise aussi, que vous visez, les vrais responsables, les industriels, les gens qui sont corrompus à l'État, etc., eh ben, ils ont le pied au plancher, ils sont jusqu'au boutiste, ils vont jusqu'au bout, on verra ce qui va se passer, sauf que c'est les plus faibles qui vont en pâtir. Et effectivement, ce fascisme vert, comme je définis là, ça peut arriver et ça sera nous qui allons pâtir de ça. Moi, je pense que c'est un doux rêve éveillé, même pas, c'est un rêve, enfin pour moi, c'est un cauchemar éveillé. C'est un cauchemar, ouais. Qui n'a aucune chance de se réaliser. J'espère. Parce que fondamentalement, toute l'histoire des dictatures, elles sont possibles que par une concentration préalable du pouvoir, et c'est un nouveau point de pouvoir qui le prend. Je parlais pas de dictature, mais de fascisme dans un. Un État qui n'est pas dictatorial, pour le coup, c'est possible. Ouais, être autoritaire, faussement démocratique. Mais en fait, je pense que s'il y a dictature et s'il y a fascisme, il sera juste pas vert. Ah ben non, pas vert. On écrasera bien totalement sûr. La notion d'écologie derrière la notion de protection, de droit économique de base, vraiment en effaçant, comme peut commencer à le faire Trump, toutes les études sur le changement climatique. On sera dans un flou artistique sur qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau mondial. On s'en foutra, on dira que les problèmes s'arrêtent aux frontières de nos pays, etc. Je pense que il n'y a pas de situation dans laquelle il y a une dictature verte, c'est sûr. D'ailleurs, si ce terme-là est amené sur la table, à mon avis, il est amené par nos détracteurs. Je pense que le terme de dictature verte est une douce invention des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que le discours sur l'écologie radicale, c'est-à-dire celui qui dit que tout ne peut pas continuer comme avant et que vraiment le modèle dans lequel on est nuisible pour l'humanité tout entière, eh ben, il vaut mieux dire que c'est un discours dictatorial, fasciste, parce que ça permet de dire rapidement « ne l'écoutez pas ». Donc moi, je suis vraiment convaincu que c'est un contre-discours qui est porté par des gens qui ne nous veulent pas du bien. Et qui permet de justifier qu'on ne nous écoute pas. Surtout que sous prétexte d'éviter une hypothétique dictature verte, tout ça parce qu'elle remet en question des trucs fondamentaux, tout à fait, des trucs fondamentaux comme le capitalisme par exemple, sous prétexte d'éviter une dictature, c'est fort possible que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'État actuel et les gens, soi-disant, voulant nous protéger de cette dictature verte, eux mettent en place un truc tout à fait dictatorial, juste pour pouvoir lutter contre cette espèce de grand épouvantail vert et surtout, je crois qu'on dont on parle. On est enfermé dans les mots, là. On parle dictature, etc. Mais en fait, je sais pas si tu suis actuel, mais on est complètement d'accord sur le truc. Hein. Quand je dis dictature verte, c'est les mots, putain, c'est nos meilleurs amis, nos meilleurs ennemis. La révolution verte.
Est-ce qu'elle est verte? La croissance verte. La croissance verte, tout ça c'est des faux. Ils se disent verts. La révolution verte, si pour rappeler rapidement, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Vas-y, les Monsanto et les pesticides, c'était la révolution verte. Ils se sont eux-mêmes dit verts. Alors ils vont eux-mêmes demain se dire verts aussi. Mais effectivement, il n'y aura rien de vert là-dedans, ni encore moins de démocratique. Mais c'est des risques qu'on peut avoir quand demain il n'y aura plus assez pour tout le monde. C'est possible. Je ne veux pas que ça arrive, mais bon. Ouais, moi, ce que j'appelle de mes vœux, c'est de mes vœux. Mangez pas de veau, caressez-les. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est vraiment une capacité des gens à se sentir, encore une fois, légitime de refuser tout un système, effectivement, de refuser de participer à ce système, donc par leurs actions individuelles, mais aussi de s'organiser collectivement pour le bloquer de toutes les manières possibles, parce que ce seront ces mêmes personnes qui construiront le monde de demain, s'il y en a un. Et ça, en fait, si ça se rapproche d'un courant idéologique, c'est plutôt celui de l'anarchie. C'est plutôt celui de se dire, bah, en fait, collectivement, si on s'organise, on est une force et on est légitime d'organiser le pouvoir entre nous d'une manière qui est décentralisée. C'est toujours de l'ordre, mais c'est de l'ordre que on aura choisi nous-mêmes plutôt qu'il soit imposé par la domination. En plus, à mon sens, une des grandes erreurs desquelles moi j'aimerais bien qu'on apprenne, on va dire, ce siècle-là, c'est... vous avez tous vu ça à l'école, j'imagine, c'est la mondialisation, c'est l'idée qu'on peut avoir un système unique qui correspond à toute la population humaine et même toute la vie sur Terre. On a bien vu que ça marche, ça a que des limites quasiment, ça marche pas du tout. Et du coup, je serais aussi pour essayer plusieurs systèmes en même temps, en fait, que chacun trouve son équilibre et sa façon de fonctionner et qu'on l'applique sans avoir l'ambition de l'étendre absolument partout, quoi. C'est un peu la diversité des tactiques, mais en mode partout, quoi. Mais là, pour donner un exemple concret d'imposer au peuple des mesures écologiques, et parce qu'on parle fascisme vert de manière assez hypothétique dans l'avenir, etc. Mais on peut parler d'un truc d'actualité, vous allez bondir, mais la hausse du prix de l'essence. Et tu vois, la hausse du prix de l'essence, c'est déjà minusculement une mesure qui commence à être écolo en se disant... Alors, je t'arrête tout de suite, je me suis pris la tête avec Vincent là-dessus hier. je suis désolé, on ne peut pas dire que la hausse du prix de l'essence, c'est une mesure écologique. Oui. Attends. Moi, alors, on parle de quoi? Les gens réagissent. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Les gens font la tronche parce que... Déjà, ils en ont plein le cul, mais trop de boulot dodo, leur vie n'a aucun sens. Et en plus, il faudrait qu'ils payent plus cher leur essence. Mais les gens n'abdiqueront pas des libertés personnelles, à moins que ce soit profondément ancré dans quelque chose de beau et d'enviable et de bandant. C'est ce que tu disais au début. Là, Macron, il n'a pas dit « Écoutez les gars, on est tellement dans la merde au niveau écolo que vraiment, il faut qu'on fasse des sacrifices. Et un des sacrifices qu'il faut qu'on fâche, c'est qu'on paye plus cher notre essence. » Il n'a pas du tout dit grâce ça. Grâce à quoi nous allons construire un service de public de transport. Exactement. Mais ils ne l'ont pas dit, vraiment. On ne les croit pas. Les gens, ils seront d'accord. Et moi, je suis persuadée que les gens sont cool. ils feront ce genre de sacrifice quand on mettra un putain de sens derrière. Et à ce moment-là, je suis sûre qu'ils le feront. Justement, la question... Justement, c'est ça. Ce que tu décris là, est-ce que c'est pas un début de ce fascisme vert? Il n'est pas vert, mais c'est une espèce de... Ah oui. Tu vois, je crois que c'est un début de fascisme. C'est un début de fascisme. Non. Et qui se dit vert en disant, ouais, c'est une mesure écolo... Parce que Macron le dit, voilà. On va couper l'eau à partir on va couper l'eau à partir de 22h parce qu'on n'a pas le choix, c'est écolo. Mais effectivement, c'est complètement pas écolo. Mais il se dit vert. Et puis on se dirige vers quoi? Un peu de totalitarisme. Et Edouard Philippe le dit, cette hausse de l'essence, comme quelque chose d'écologique. Il ne le crie pas, mais quand tu regardes ce qu'il a dit exactement, il dit que c'est écolo, que c'est pour qu'on utilise moins d'essence, etc. Et là où je veux en venir, c'est que vas-y. Pourquoi il dit ça? Mais parce que en plein dans la construction d'un récit de les écologistes, c'est vos ennemis. Plus ils vont devenir radicaux, plus ils vont porter un message. Moins il faut que vous les écoutiez. Donc on fait une mesure qui vise à rapporter des revenus à l'État en augmentant artificiellement le prix de l'essence avec des taxes. Et on te dit, c'est à cause de l'écologie. Parce qu'on sait que les gens, ils sont pas du tout prêts à entendre ça. Parce qu'on a fait aucun effort pour porter ce discours-là sur la place publique. Donc... Moi, je suis vraiment convaincu que c'est encore un outil du pouvoir pour faire détester à une large partie de la population, celle qui, en l'occurrence, va le plus souffrir
du dérèglement climatique va le plus souffrir de la raréfaction du pétrole pas cher, sur lequel le pouvoir n'a aucune prise, en l'occurrence. L'État français n'a pas de prise, n'a pas de forage facile en France qui lui permet un approvisionnement en pétrole. Donc je suis convaincu que là, on est dans le début d'un discours qui est de dire... Tous les problèmes que vous allez avoir, vous, les personnes qui doivent continuer à utiliser du pétrole, c'est la faute des écolos et pas la faute de choix politiques fondamentaux. Donc là-dessus, ouais, soyons effectivement dans une déconstruction de discours et dans une analyse. Ça marche pas. Enfin, je veux dire, tu peux pas à la fois soutenir des grands projets de ouf et se satisfaire de ne pas respecter les engagements de l'accord de Paris. Hein. C'est ce que fait la France actuellement. Le pouvoir en France, c'est Macron. Donc, ils ne respectent pas les accords et en même temps, ils vont dire aux personnes qui ont besoin, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, d'utiliser leur voiture, que c'est pour l'écologie qu'on les taxe. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est un double discours et voilà, ça va pas. Et alors. Bon, on n'a pas pris beaucoup de questions. Là, est-ce qu'on prend une... Ouais, il y avait un truc, du coup... Ce que tu disais là, c'est super intéressant, j'adore. C'est dans le sens que tu... J'adore. Non, mais c'est vrai, j'adore. C'est super de pouvoir échanger tout ça, et, comme chaque jour, quasiment, hein, qu'on fait ces choses-là. On papote souvent. Là, hein. On perd pas espoir. C'est-à-dire que tu analyses ça avec ton propre prisme de... C'est un projet pour faire détester l'écologie. Ça tient debout ce que tu dis. Je partage pas ça moi personnellement. Je vois des gens passer qui disaient est-ce que c'est pas un peu parano de penser ça et ça se défend. Du coup, je voulais le faire pour qu'on puisse, tu vois, débattre. C'est une spéculation de penser qu'il y a derrière un projet pour faire des tests. Moi, je pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que ben on est dans un modèle libéral qui n'est pas écolo. Mais les gens, ils sont sensibles au bonheur et à la vie. Donc, ils sont contents de pouvoir respirer. Et donc, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et eux, ils se prennent du fric. C'est pas plus simple que ça. Je pense pas qu'il y a un projet pour faire détester, à travers cette mesure, le fait d'augmenter de 7%, 24%, je crois, je sais plus, augmenter le pétrole, plus que de se faire du fric. Et puis, pour rassurer les gens, vu qu'ils sont un peu sensibles à l'écologie, on leur dit ça et on n'y croit pas, comme tu l'as très bien démontré. On le sait qu'ils sont pas écolos. C'est ce que je crois. Et peut-être que c'est une... Même si j'entends ce que tu dis. Ah, mais c'est... J'aimerais bien croire que c'est juste le fruit de pas mal de choses. Mais en fait, en l'occurrence, il y a un truc que j'ai bien observé dans la manière de gouverner de Macron, c'est qu'il est stratégique. Il ne fait pas les choses au hasard. Ah non. Et on a vu, par exemple, si c'est on décompose ça. La manière dont s'est passé le règlement de la situation de Notre-Dame-des-Landes, c'est on a lentement mais sûrement divisé les différentes factions de Notre-Dame-des-Landes par des discours politiques, où certaines parties acceptaient le discours comme celui de la légalisation de l'occupation des terres, alors qu'une autre était en train de dire « bah non, je suis désolé, nous on est dans un espace de création qui veut être en dehors de ce que nous permettrait l'État ». Donc on n'a pas envie de légaliser au regard de l'État les terres. Donc là, tu dis, ah oui, mais alors, du coup, vous êtes contre Notre-Dame-des-Landes. Et c'est vraiment le discours qui a été porté. Et aujourd'hui, maintenant, on en paye aussi le prix parce que Notre-Dame-des-Landes va difficilement pouvoir continuer à être un espace de liberté et d'invention en dehors de l'État, comme il a pu l'être jusqu'à maintenant. Donc, et ça, c'était stratégique. Ça s'est fait au fur et à mesure et on l'a vu se dérouler, en l'occurrence. Donc moi, je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là. Je pense que... Il y a des trucs tout bêtes, mais lorsque Colomb, à Lyon, dit « Alors oui, j'ai vu les manifestations écologiques. Alors, en dehors de débordements inacceptables, l'enjeu a de la valeur à mes yeux. » Et que derrière, la police dit « On ne sait pas de quoi il parle. » Vous pouvez aller voir les articles. Et que nous, les organisateurs de la manif, on ne sait pas non plus de quoi il parle. Ah, oui. Là, on est à fond dans la construction d'un discours. Bien sûr. Qui va aller regarder la réponse de la police et des organisateurs de la manif? Mais personne. Par contre, lui, lorsqu'il a dit qu'il y avait des débordements inacceptables, dans la tête des gens qui l'écoutent, et qui en l'occurrence, la majorité, c'est la télé, tu vois, bah, ils vont se dire « Ah, les écolos ont fait des débordements inacceptables. » Mais justement, ce n'est pas une habitude. Il est quand même mieux, le monsieur. Et puis, il a l'habitude de dire que, tu vois, ça peut être une possibilité. Est-ce que ce n'est pas une habitude? Ils ont l'habitude, tu sais, ils sont un peu robotiques, c'est vrai, quand on regarde les politiciens, et c'est pas le même boulot. Oui, mais du coup, est-ce que c'est intentionnel? Est-ce qu'ils sont vicieux et stratégiques? Voilà. Ou est-ce qu'ils sont juste bêtes? Moi, je ne sais pas quel est le scénario que je préfère. Il y a beaucoup de gens qui disent l'incompétence de nos représentants. Ouais.
Mais d'ailleurs, tu disais, ouais, il parle de débordement, il essaye de délégitimer les mouvements citoyens. Donc, on voit de plus en c'est plus évident. Que, voilà, on va devoir se battre par d'autres moyens, par exemple désobéissance civile, action directe, manifestation où il y a d'atroces débordements. Et j'avais eu des commentaires sous ma vidéo où j'avais bloqué avec Earth Resistance le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Et j'ai eu plein de commentaires qui me disaient « Mais cette désobéissance civile, cette action directe, elle est antidémocratique. » Parce qu'en fait, vous, ok, l'État nous impose des trucs, mais vous, les véganes, vous essayez aussi de nous imposer un truc. Et du coup, la question que j'aimerais poser, en fait, c'est à partir de quel moment il faut qu'une action soit démocratique ? Est-ce que la désobéissance civile, si elle n'est pas démocratique, n'est pas légitime ? Bah, en fait, quel moyen, quand tu es citoyen, quel moyen tu as concrètement, de dire ce que tu penses et que ce soit pris en compte. Mmh. Aujourd'hui, le vote, à mon sens, ça n'a genre plus aucun impact. C'est tu ne participes pas la plupart du temps au choix des candidats qui vont finir à l'élection. Donc c'est des gens que tu n'as pas choisis et on t'oblige à en choisir un à l'intérieur. Si tu ne veux pas jouer le jeu, si tu es pour un autre, ou si, je ne sais pas, tu es contre tous, tu ne peux pas l'exprimer. Mmh. Ah, en quoi c'est un choix ? En quoi c'est une véritable participation ? Donc, moi, le seul moyen, je vais parler en mon nom propre, le seul moyen que j'ai trouvé de participer concrètement à l'élaboration de la loi, c'est la désobéissance civile, c'est-à-dire que je la connais à peu près, la loi, et je choisis consciemment et en connaissance de cause et de conséquence d'y désobéir pour essayer de la modifier. Parce que, voilà, franchement, concrètement, répondez-nous dans les commentaires, quel autre moyen vous voyez de participer aujourd'hui à l'élaboration de la loi et même à l'élaboration de la société ? Parce que les pétitions, elles ne sont pas prises en compte. Il peut y avoir des centaines de milliers de signatures. S'ils ont décidé de s'en foutre, ils s'en foutent. J'ai un exemple très concret. Je suis d'accord avec ça, mais c'est une des solutions. J'habite à côté de Genève, donc je vis à Annemasse, où il y a eu une victoire il y a quelques semaines des citoyens qui voulaient défendre une petite ZAD des terres agricoles, 30 hectares de terres agricoles, qui auraient dû être bétonnées. Un peu comme le triangle de Gonesse au-dessus de Paris, vous voyez, avec le Auchan, machin, là. Et ils ont gagné. Ils ont gagné, alors que l'aglo voulait absolument, ça faisait un temps que ça allait se faire, les premiers coups de pelleteuse auraient dû faire au mois de novembre, ils ont gagné uniquement sans violence, sans occuper le terrain. Et ça ne veut pas dire que c'est meilleur, hein, parce que moi je suis chaud hein, pour occuper le terrain et tout ça, et puis désobéir, et j'ai fait ce genre de choses, et je suis d'accord que ça fait partie de la boîte à outils, du couteau suisse de notre... On n'a pas grand-chose comme pouvoir. Le vote, effectivement, il y a des limites et tout ça. Et ils ont gagné en collaboration avec les élus. Il y a eu vraiment quelque chose, il y a eu un rapport de force, hein, vraiment, hein, médiatique, un rapport de force avec une commission d'enquête, etc., pour cumuler, non pas en pétition, mais les avis des riverains, etc. Et fait est que, ben, ils auraient pu dire non, finalement. Mais qu'est-ce que veut un élu ? C'est se faire réélire. Et il savait bien que si la majorité des gens de la ville aimaient le rouge, bah, il fallait qu'il aime le rouge aussi. Tu vois. Donc effectivement, c'est un des rapports de force qu'on peut faire aussi avec le boycott avec une entreprise, par exemple. C'est une des solutions qui s'ajoute à la tienne. Un autre exemple lyonnais, encore une fois, car nous sommes à Lyon. Nous ne sommes pas à Paris. Exactement. C'est la 45, une autoroute qui devait relier Saint-Étienne à Lyon, qui était fortement poussée par, en l'occurrence, la ville de Saint-Étienne, et soutenue par l'État. Autoroute évidemment privée, dont les revenus allaient aller à Vinci, etc. Bref, et ben, il y a eu à la fois de l'occupation sur site, il y a eu un travail de collaboration, de construire une alliance avec des agriculteurs, des jeunes zadistes, des élus, des forces politiques à Lyon qui n'étaient pas forcément pour, et en l'occurrence, c'est gagné. Donc c'est pareil, effectivement. Il y a à chaque fois une boîte à outils qui est à développer, et elle est à réinventer pour chacune des luttes. Ça, je te rejoins totalement là-dessus. Il n'y a pas de réponse simple. Ta question à l'origine, c'était la désobéissance civile est-elle démocratique, c'est ça ? Ouais, parce qu'on me disait que c'était pas démocratique d'essayer d'imposer le véganisme aux autres, tu vois. Bah alors du coup, je voudrais savoir c'est quoi le scénario alternatif. C'est il y a une loi qui est, elle, issue du processus démocratique lent, qui en l'occurrence en France passerait par l'Assemblée, le Sénat, l'Assemblée, le Sénat, l'Assemblée, le Sénat,
c'est démocratique, ça. Ce qui... Voilà. Et donc, la solution, ce serait quoi ? Qu'il y ait un référendum qui dit vous avez le droit de vous opposer à cette loi. Enfin, je veux dire, je ne connais pas, en fait, le système démocratique qui pourrait permettre la désobéissance civile. Donc, pour moi... Ouais. Ouais, mais c'est ça, ma question, en fait. C'est que donc, le problème de la désobéissance civile, ce serait qu'on ait une minorité à imposer... un truc à la majorité, donc ça veut dire qu'il y a une majorité qui est contre ça, on est sûr. Et en fait, on n'est pas sûr qu'elle est contre ça. Mais est-ce que c'est pas justement instrumentaliser une majorité qui n'a pas été constituée de dire ça, en fait ? Parce que c'est pas comme si on avait demandé l'avis aux gens en disant « Ok, les gars, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que tout le monde devienne vegan ?» Il n'y a pas eu ça qui a eu lieu, en fait. Dans le flou artistique créé, ils s'en servent de l'un ou de l'autre. Et on va te dire « La majorité n'est pas vegan, donc si tu combats... en tant que vegan, bah t'es dans la minorité, d'accord. Tu vois. On crée une fausse majorité. Alors, c'est la question est du coup faussement posée encore une fois, parce que ce serait de se dire que les actions de désobéissance civile ont le pouvoir d'imposer à la majorité un changement de comportement. Or, c'est totalement pas le cas, ou alors je connais pas du tout ce genre d'action de désobéissance. Pour moi, les actions de désobéissance civile, un tout petit groupe de personnes qui appuient à un endroit de manière à en faire parler du sujet ou du problème dans les médias et donc potentiellement dans le monde politique pour dire peut-être qu'il y a un problème et qu'il faudrait s'y attaquer. Et voilà l'angle par lequel on prend le problème. Donc c'est à aucun moment une imposition à la majorité, même les actions dans le sommet de l'élevage n'ont pas pour conséquence d'empêcher les gens partout d'acheter de la viande. Non mais t'empêches les gens d'aller au sommet de l'élevage déjà, tu vois. Tu restreins leur liberté, mais de quel droit ? Mais c'est même pas réellement vrai, en fait. Si, c'est réellement vrai. Tu bloques le sommet de l'élevage, tu perturbes les conférences. Les gens, ça les embête, les citoyens qui voulaient aller au salon de l'élevage. Et ils te disent, mais pourquoi vous faites ça ? Alors là, c'est intéressant. Là, du coup, on rentre dans qu'est-ce qu'une action de désobéissance civile. L'action de désobéissance civile, elle a pour objectif de créer un nouveau rapport de force qui n'existait pas. Parce que lorsque toi, t'es chez toi et que t'as ton idée et qui est contre... tant que tu ne l'exprimes pas, tant que tu ne vas pas dans un endroit dans lequel il y a un conflit, parce que c'est comme ça que la société a changé et changera toujours, par conflit, c'est la résolution du conflit qui fait avancer la société, et ben du coup, tant que tu ne vas pas au conflit, tant que tu ne vas pas à un endroit où ça dérange quelques personnes, il n'y a pas de débat. Il faut forcément qu'il y ait un conflit pour qu'il y ait un débat. Donc, effectivement, je trouve ça... même bizarre, ce serait comme d'être contre la désobéissance civile au nom de la démocratie, ce serait de dire... ah non, je suis contre l'évolution de la société. Parce qu'en fait, la société a toujours changé par conflit, a toujours changé par opposition, qui a créé un débat, qui a permis de faire avancer une idée, qui a permis d'après ça de l'inscrire dans la loi. Donc, contre la manifestation, parce qu'on a élu démocratiquement Macron, et faire une manifestation contre lui, c'est antidémocratique. Mais justement, en fait, parlons-en, parce que si on n'est pas d'accord contre les minorités qui imposent des trucs, pardon, mais Macron, il n'a pas été élu avec la majorité des Français. Hein. C'est une minorité de gens qui ont voté pour lui. Mais là, c'est un système électoral, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que si on commence à parler de minorités, de majorité en fait et que la minorité ou la majorité fonde la légitimité ou l'illégitimité, ben posons les vraies questions. Macron, il n'est pas du tout légitime dans ce cas-là parce qu'il n'est pas le résultat d'une majorité. Alors attention, je suis d'accord dans le fond, mais en fait dans la vraie définition, je pense qu'on se trompe encore sur les mots, Macron est légitime. Bah ouais, parce que les institutions sont comme ça, il est légitime. Mm-hmm. Alors moi ça m'écorche la gueule, mais comment dire, c'est parce que je le voudrais pas, mais il l'est. Et le fait de faire des manifestations comme celle décrite là, bloquer ou casser une vitrine pour, comme on l'a vu beaucoup de fois pour les véganes, etc., ou qu'on dit les gens véganes, c'est légitime aussi parce que ce sont des outils pour pouvoir faire, pour imposer non pas un mode de vie aux autres gens, mais imposer un débat dans le débat public, comme tu l'as très bien dit. Donc le but, il est là. Et je pense comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y a un certain dogme, on n'a pas utilisé ce mot-là depuis tout à l'heure, un dogme qui voudrait protéger un système. Se protéger lui-même et criminaliser un mouvement contestataire, on veut nous faire croire que, oh, regardez, ces méchants extrémistes veulent nous imposer leur mode de vie. Ah ben désolé, mais ces extrémistes qui veulent nous imposer un mode de vie existent déjà. Moi, à l'école, je mangeais de la viande tous les matins, tous les midis, enfin, d'ailleurs, à la cantine, y a les extrémistes qui m'imposent leur mode de vie. Tu vois, donc du coup, ce n'est pas. Personne ne veut imposer rien à rien. En fait, il faut qu'on arrête de reprendre les éléments de langage de nos détracteurs. On n'impose rien. Par contre, si on doit utiliser le mot-là, on veut juste imposer un sujet qui, de fait, quand on vient avec notre petit tract tout gentil, excusez-moi, on voudrait parler de ça, ben, on nous écrase la gueule. Donc, effectivement, ben, on va crier un peu plus fort. Et on opte pour des solutions plus radicales. Mais il n'y a rien de méchant là-dedans.
Et alors, il y a un truc, là on est à 1h20 de débat, donc il reste, on va dire, 10 bonnes minutes. Donc il y a vraiment une question qui va paraître un peu lunaire par rapport à ce qu'on a tout dit, mais que je me suis posée et que j'ai envie de vous poser, c'est si la majorité du peuple ne veut pas la démocratie, est-ce que lui imposer la démocratie est démocratique ? Encore une fois, on ne peut pas savoir si la majorité... Vous avez deux heures. Alors, encore une fois, on ne sait pas si la majorité veut ou non la démocratie, mais on peut supposer que si la majorité continue à voter pour des Macron, à ne pas s'impliquer, etc., c'est peut-être qu'elle ne le veut pas. Et donc, nous, on parle toujours de démocratie, on dit « il faut ça, il faut ça, il faut ça », mais est-ce que si la majorité ne veut pas la démocratie, imposer la démocratie, c'est démocratique? Non, mais attends, c'est hyper piégeux ouais. comme question. Déjà, premièrement, c'est quoi? C'est pas, non, moi, je me pose ça comme ça. C'est quoi la démocratie? Voilà, ouais. C'est quoi aussi, la démocratie? Ouais, est-ce que les gens ont vraiment conscience qu'il y a des alternatives qui sont possibles? Parce que, quand même, ça fait une cinquantaine d'années qu'on vit avec le mythe du aucun autre modèle est possible. Donc, Non, mais par exemple, si tu dis aux gens, moi, je vois quand je parle à mes parents et que je leur dis, il faudrait une démocratie. Ils te disent, mais non, mais il y a tout le monde n'est pas assez intelligent. D'ailleurs, c'est pas que mes parents, tout le monde, il y a plein de gens qui le disent, mais non, tout le monde n'est pas assez intelligent pour gouverner. Donc, t'as des gens qui pensent vraiment aujourd'hui que la démocratie ne pourrait pas fonctionner parce que tout le monde n'est pas assez intelligent, performant pour gouverner. Et t'as beaucoup de gens qui te disent ça, qu'il vaut mieux que ce soit des professionnels qui s'en chargent. C'est faux, c'est tes parents qui pensent. Ils se disent « Ah, bah, si on prend mon postier et qu'on le met président de la République, ça va pas marcher. » C'est ça. Et déjà, mais ça, pourquoi c'est pas un faux... Non, déjà, pourquoi pas? Parce que les gens, on a une tonne d'études anthropologiques qui montrent que les gens s'élèvent à la hauteur de la responsabilité dans laquelle on les place. Mais c'est pas vraiment ça la question. C'est juste c'est qu'il faut repenser la démocratie de A à Z et qu'effectivement, il faut en venir à bout de ce système représentatif qui ne représente personne et qui ne permet pas, en l'occurrence... l'avancée des débats suffisamment rapidement sur des sujets comme celui de l'écologie. On voit les démocraties actuelles en Europe ont échoué pour être à la hauteur de l'enjeu écologique. Il n'y a aucun pays européen qui est à la hauteur de l'accord de Paris et qui a respecté les accords de Paris. Donc là, on a un exemple typique où normalement, selon toute logique, les humains qui constituent la société de chacune de ces démocraties ont tout intérêt à éviter que dans 100 ans, ils ne puissent plus vivre sur cette planète. Ça, c'est logique quand même. Or, si les démocraties ne sont pas en capacité de prendre les mesures nécessaires, ça montre bien qu'on n'est pas dans une démocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la capacité, il n'y a pas la structure, il n'y a pas l'infrastructure qui permette à cette conscience collective d'exister, d'émerger, de se former. On a une petite partie qui dirige, qui est en l'occurrence beaucoup trop proche d'intérêts économiques, qui, eux, contribuent activement à la destruction du climat. Donc... c'est la merde. Mais voilà. Il y a une question que j'ai vue sur l'écran, quelqu'un qui disait peut-être que les Européens ne veulent pas être écolos. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais poser comme question. Et si ben tu leur mets un référendum et qu'ils disent non. Tu disais aussi peut-être comment on peut dire que les gens veulent pas qu'on bloque un salon de l'élevage, on les a pas consultés. Et au fait est qu'aujourd'hui c'est pas que les gens votent Macron ou votent libéral, c'est fait que les gens votent plus déjà. Rappelons ça, il y a 60% des gens qui n'ont pas... Au Brésil, plus, 60% des gens n'ont pas voté pour l'un ni pour l'autre. Et pareil pour chez nous avec Macron. Il y a un rejet... donc du coup, je crois, moi j'analyse comme ça, hein, c'est aussi de la supputation, hein, je crois quand même, il y a un rejet des institutions classiques, ou du moins ce qu'on en voit, d'un système qui n'est pas bon. Mais après, c'est ça le truc. Et le monde de demain, comment on veut le faire? On n'a pas d'outils. On n'a pas d'outils pour s'exprimer. Je parle pour la France. On n'a pas d'outils pour s'exprimer. À part voter, choisir son maître une fois tous les 5 ans, tous les 4 ans. Ouais. C'est très complexe. Enfin, dans l'imité. Attends, je sais bien qu'il y a plein d'outils. Bien sûr. Et bien sûr. Tout à fait. Et j'en suis. Mais dans l'idée là, pour beaucoup, pour expliquer le fait que les gens n'agissent pas, c'est pour eux encore. Ils ne se sentent pas soit légitimes parce qu'on leur rabâche qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont pas de cravate, ils n'ont pas un col bien fermé. Mais ça, ils commencent à comprendre. Sinon, les gens continueraient à voter, les gens continueraient à regarder BFM TV, à y croire ce qu'on dit. Il y a de plus en plus de défiance envers tout ça. Donc les gens, je crois, et puis d'ailleurs, les gens sont, ça ne veut rien dire, mais nous sommes, on fait partie des gens, nous sommes de plus en plus conscients de ces choses-là. On est de plus en plus intelligents. Tu parlais du mot intelligent, pareil, intelligence, tout ça, c'est des mots qui nous trahissent. Ça ne veut rien dire, l'intelligence, parce qu'on n'arrive même pas à la quantifier, à la définir. Il y a des intelligences. Et moi, je suis persuadé que mon postier pourrait être un meilleur président que Macron. Et donc pour conclure tout ça, je vous propose de conclure en quelques mots ce que j'ai compris de ce qu'on a dit, et je vous laisse répondre chacun à votre tour, on va dire, en un dernier mot à tout ça. Ce qu'on a dit, c'est que écologiquement, économiquement, c'est la merde. On arrive au bout,
Socialement, voilà, on n'a pas suffisamment parlé de socialement, mais il y a vraiment des gens qui en chient de ouf. Oh, et on est dans une société de plus en plus inégalitaire. C'est un des piliers qui se casse la gueule. Et je l'ai vu mentionné plusieurs fois dans les commentaires, c'est vrai. On arrive à cet effondrement. On n'a plus le temps de faire des petits pas. Et on arrive vers un fascisme, un autoritarisme, plus que vers une démocratie. On peut encore peut-être changer ça, mais ça arrive vers là. Qu'est-ce qu'on peut faire en sachant que ça va s'effondrer, que ça va être plus galère, que la démocratie, ça reste plus utopique que l'autoritarisme ? Qu'est-ce que les gens doivent retenir de ce live ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Encore une fois, ils ne doivent pas, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de changer les choses ? Une ou deux actions, tu vois, que tu te dis, ça, au moins ça va donner du sens à mon combat. Bah écoute, Julien, Demos Kratos, tu en faisais partie. On a construit un site internet qui s'appelle ilestencoretemps.fr avec un regard, j'en faisais aussi partie de ce choix-là, avec un regard de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui sera aussi utile dans l'avenir. Donc sur ce site internet, il y a un ensemble de choses que les gens peuvent faire directement selon ce qu'ils ont envie, selon ce qui les intéresse tout particulièrement. Il y a des choses qu'on fait maintenant dont on aura besoin. Si aujourd'hui on rejoint une AMAP, qu'on achète ces légumes qui sont produits à moins de 50 km de chez soi, dans une situation d'effondrement, ce seront avant tout les réseaux ultra tendus internationaux d'approvisionnement qui vont se casser la gueule. Avoir des agriculteurs, des maraîchers à côté de chez nous qui sont en capacité de produire la nourriture dont on a besoin, c'est indispensable. Et c'est dès maintenant qu'on peut le mettre en place, qu'on peut soutenir cet élan-là des AMAP. Avec donc, son argent, en achetant. En achetant et aussi en y participant, en fait. On peut aussi créer une AMAP. Si vous êtes étudiant, vous pouvez monter une AMAP dans votre université. Donc, il y a une tonne de choses sur ce site internet qu'il faut faire. Il y en a aussi beaucoup qui sont de l'ordre de la formation à la désobéissance civile. Si on pense à des mouvements totalitaires, on peut penser à ce qu'a pu faire Gandhi. C'était un système totalitaire qu'il y avait en Inde à l'époque où il y était. Et il a réussi à mettre en place un mouvement désobéissant non violent qui a remporté la victoire. Donc, il faut qu'on se sente légitime de le faire. Il faut qu'on se sente en capacité de le faire. Il faut qu'on s'organise. Et faire ensemble, c'est vraiment ça, à mon avis, qu'il faut faire aujourd'hui. Je vais avoir du mal à être concrète, mais si je pouvais donner deux conseils ou deux trucs que moi je vais essayer de faire, c'est premièrement d'accepter de déranger, parce que tous les signaux qu'on reçoit quand on commence à avoir une pensée qui s'écarte de la norme, c'est qu'on fait chier, c'est qu'on a tort, c'est que on culpabilise les gens, c'est que on prend pas le temps de vivre. Enfin bref, on renvoie plein de signaux comme quoi on a tort. Et c'est normal parce qu'on va chercher les gens dans des questions et des problématiques qui sont profondes et qui les font chier. Donc on dérange et il faut accepter de déranger parce que ça veut dire qu'on touche juste, qu'on touche à un truc qui est compliqué à résoudre mais en même temps qui est essentiel. Donc premièrement ça. Et deuxièmement, moi je me méfierais énormément de la soumission et de l'autorité. Je pense que c'est lié à la désobéissance civile. Je pense vraiment qu'il faut qu'on remette en question l'obéissance, la soumission, l'ordre. Tu vois, on érige en valeur absolue l'ordre, alors que l'ordre, il a du sens que s'il sert quelque chose. L'ordre pour l'ordre, ça n'a aucun sens. Et donc, par exemple, les forces de l'ordre ou le maintien de l'ordre, ou les militants sont fermés pour troubles à l'ordre public. Genre, en fait, ça veut rien dire. C'est l'ordre pourquoi dans une dictature, en enfer, il peut y avoir de l'ordre, en fait. Donc, questionner la soumission, l'obéissance et apprendre à désobéir. Pour continuer là-dessus, je trouve ça fascinant de réaliser que on est dans une situation hyper étrange où maintenir l'ordre, c'est-à-dire continuer comme maintenant, amène vraiment l'humanité à disparaître. Mais c'est ça, c'est mourons dans le calme. Ouais, gardien mourons de la paix, dans le calme. De la paix sociale, et la force et de l'ordre. Ouf, ouais. Et c'est ouf. Et pareil, maintenir la société dans l'état tel qu'elle est, ne pas remettre en question l'équilibre de la société, c'est accepter que de plus en plus, l'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Et d'accepter que de plus en plus de milliardaires profitent de ce que des gens ont créé. Donc en fait, on est dans un truc très étrange où c'est effectivement essentiel, je te rejoins totalement, de remettre en question, d'être prêt à déranger,
remettre en question ces choses et d'être prêt à questionner. Et puis évidemment, je ne parle pas de déranger pour déranger. Là, je vois les commentaires en mode oui, bonjour, témoin de Jéhovah, je viens pour vous déranger, mais c'est pas grave, déranger, c'est bien. Non, non. C'est pas ça que j'ai dit, d'accord. Donc vous réécoutez. Ça a du bon sens. On était à la conclusion, c'est ça hein. Ouais. Ah, ok, je rejoins très bien ce que vous dites. Effectivement, il faut savoir, je pense, arrêter avec la soumission. Alors moi, j'adore ça, bien sûr. Être, l'insoumission. L'insoumission, bah ouais, quoi, bien sûr. Ça, la désobéissance, j'ai du mal avec le mot, mais avec le fait, je le fais. Bon, il n'y a pas de solution, effectivement. Là, tu parles de richesse qui se concentre, ben, encore une fois, l'histoire, moi je suis fan et je vois très bien qu'à chaque fois, c'est la même rengaine. Dans toutes les civilisations qui sont effondrées, c'est l'écart qui se creuse et les plus faibles qui font que les plus riches puissent être les plus riches s'effondrent les premiers et quand c'est leur tour, ben, c'est trop tard, il n'y a plus de fondation. Donc c'est ce qui nous attend. Voilà, mais ça veut pas dire à chaque fois, vous voyez, ça s'est effondré, mais pourtant on est encore là. Donc les humains, l'humanité ne mourra pas, je crois pas. Il va y avoir quelque chose, forcément. Et on n'en est pas encore là. Moi, je n'ai pas de solution à vous apporter, plein, comme ce soir on l'a essayé de le faire. Et la petite conclusion pour moi, c'est choisir son camp. Je préfère partie de cette team. Il est encore temps, on est prêt ou pas, ou qu'on s'en fiche, peu importe, on fait ce qu'on doit, ce qu'on juge être bon d'être fait. Et puis, si c'est trop tard, si c'est pas grave, si ben on a fait du mieux qu'on pouvait et des meilleures choses finalement qu'on pouvait mettre en place. Donc voilà, c'est la seule chose que je pouvais trouver de plus neutre et à la fois le plus engagé possible à avancer pour une conclusion. Et alors, moi, il y a juste mon mot de conclusion, ça va être réagir à un commentaire que je vois qui me dit « Sans aucun ordre social, eh bien, les règles qui maintiennent la démocratie à laquelle vous tenez tant n'existent plus. » En fait, quand on dit quand on critique cet ordre social, etc., c'est pas parce qu'on veut le désordre total. On veut un nouvel ordre qui soit celui des citoyens, qui soit celui d'un monde égalitaire, où il n'y a plus de rapport de force, au moins. C'est le pouvoir des mots. Tu sais, encore une fois, je te dis pigeon, tu penses à quoi? Un oiseau? Moi, je pense à un mec qui se fait avoir, donc ça ne veut rien dire. Ordre, c'est pareil. C'est ça. Le pouvoir des mots. Enfin, c'est faut arrêter. Alors, l'action est plus importante que les mots. Les mots, c'est très important, mais nous ne nous enfermons pas dans les mots. Je dirais, pareil, je fais des réunions politiques très souvent sur le mot révolution, les mots fascistes, les mots machin. On se prend le bec, mais révolution, c'est l'avion. Maintenant, une révolution, la Terre tourne autour du Soleil, c'est une révolution. Elle a fait la guerre à personne de la Terre, tu vois. Donc du coup, c'est voilà, il faut un ordre, bien évidemment qu'il faut un ordre. Il faut de la politique parce que la politique définit les règles. On peut changer cette ordre, les règles de vie en commun entre humains et non humains. Donc il faut, sauf que l'ordre aujourd'hui, il vient défendre un ordre qui ne nous est pas bénéfique, au contraire, qui va nous entraîner vers la fin. On veut un ordre avec un intérêt central, qui est l'intérêt général et pas l'intérêt particulier de quelques-uns. Est-ce que je peux dire une image? J'aime bien les images. Je veux dire une image. J'aimerais bien partager une image. J'ai souvent la sensation qu'on va dans le mur et qu'on va même tellement vite qu'on est genre capable de le fracasser, mais de ouf. Et un des trucs qu'on peut faire, un des trucs que j'ai commencé à faire il y a quelques années, c'est juste de me retirer du flux constant de personnes qui vont dans le mur et de regarder au moins. Prendre conscience qu'on en est là, qu'on est en train d'aller vers là. Commencer à crier fort « Allô, je crois qu'on va dans le mur !» Peut-être accueillir quelques personnes qui, du coup, sortent du rang en entendant que mon cri et se joignent à moi. Et en fait, l'idée, vraiment, le concept, c'est qu'on soit tellement de plus en plus nombreux à crier sur le bord du chemin qui nous mène dans le mur qu'on va dans le mur, qu'on est à la fin en capacité de faire un petit blocage, une petite action de désobéissance qui bloque le chemin, le temps d'éviter que tout le monde aille dans le mur et que notre société entière se fracasse, bien qu'effectivement, il faut que notre société se fracasse parce que si elle continue, on crève tous. Puis, pour l'aide de ses cendres. Voilà, la conclure quand même. moi, j'ai envie de dire, on s'occupe beaucoup de ces questions-là et on vous donne des conseils, mais les gars, en fait, renseignez-vous et trouver le meilleur moyen d'agir et le truc qui a le plus de sens. Là, on s'en prend plein la tronche aussi dans les commentaires en disant oui, vous faites pas ci, faites pas ça, c'est pas bien. Cherchez, trouvez et faites. Oui, et puis un truc aussi important, c'est qu'on n'est pas parfait. On parle là ce soir, mais on n'a pas de légitimité spéciale, on n'est pas des écologistes parfaits qui faisons tout parfaitement dans notre vie. On essaye juste de faire au mieux et d'être cohérent avec ce qu'on veut faire. Et c'est ça ce qui est le plus important, je pense, être cohérent et faire le mieux qu'on peut et faire pour ensemble. Se sentir bien oui. et heureux. Faire. On revient à ce que tu disais au début, soyons heureux. Ensemble. Et...
et voilà. Bah, je vous remercie déjà à vous trois d'être venus et d'avoir discuté. Avec plaisir. Merci Julien. Voilà. Merci Antoine. Et puis merci à nos deux Antoine. Techniciens. Merci Léo. Léo et Antoine qui ont bien. Oui, il faut que je regarde cette caméra. Léo et Antoine qui ont bien géré la technique. Voilà. Merci à tout le monde pour ce live et on en refera très certainement d'autres parce que c'était bien sympa. On essaiera de voir pour communiquer un peu plus avec vous. Là, on vous voyait tout le temps. Parce il y avait partager, le chat. C'est sympa. Et partager, c'est sympa. Et si vous voulez continuer à voir ces sujets, eh bien, allez voir la chaîne promo. Partager, c'est sympa. Allez voir la chaîne J'ai mille choses à te dire. Elles sont dans la description du live. Faire ensemble. Vous aurez d'autres clés de compréhension sur tout ce qu'on vient de dire. Voilà. J'ai un point, mais... Eh bien, merci à tous. Merci, bonne soirée. Et à bientôt.